Merci. Okay. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Soraya. Bonsoir. Aussi, ça va? Très, très bien, Bonsoir. merci. Vous-même. Bonsoir à tous. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ça Très bien, va? et Si j'ai vous? mis la caméra, non, pas encore, je pense. Non, attends. Attends. Oups. Mince, me suis trompée. Je suis là. Voilà. Alors, là, vous m'entendez? Parfaitement, oui. Ouais, je vais juste allumer déjà mon Insta pour ceux qui veulent. Adam, viens m'arranger. Voilà. Alors, je vais commencer par aller. Je ne sais pas si ça marche. Attends. Je t'envoie quand tu pars. Alors, où est-ce que je suis? Je suis là. Hop. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Ouais, on me voit, je pense. Si, oui, parfaitement, oui. Super. Tac, 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 mes feuilles. Mon feutre magique et des feuilles. Voilà. Oups. Voilà. Bonsoir sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Alors, on va pas commencer tout de suite. On va revenir d'ici un petit quart d'heure. Le temps que tout le monde arrive sur Zoom et sur Facebook. Et puis, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Je peux peut-être enregistrer là. Voilà. On est déjà combien? Bonsoir, Ashraf. Bonsoir Hello. Soraya. Salut, ça Salut. va? Très bien. Super. 72 Soraya, nous sommes 12 actuellement sur Zoom. Alors j'ai déjà Ouais. lancé Facebook. Je vais jeter un coup d'œil. Ok. À votre aise. Alors, je vais déjà discuter avec les gens d'Instagram. Salut Samia, bonjour Bull Forex Beer. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Donc, si vous avez déjà des questions sur Insta, en attendant que les autres arrivent sur Zoom, sur Facebook. Mais c'est bien ça, on est partout. Il manque LinkedIn, monsieur Rossi, j'y ai pensé ce matin. Oui, c'est vrai. Mais LinkedIn, en fait, je pense qu'il faut des conditions pour pouvoir faire des lives parce que moi, j'avais fait une demande à partir de mon compte privé et il fallait envoyer une demande et en fait, c'est eux qui doivent accepter ou pas. Donc, ce n'est pas automatique. D'accord, je n'ai pas beaucoup d'informations sur LinkedIn, comment ça fonctionne. J'ai voulu faire le test, puis voilà, ils m'ont dit reste calme sur Facebook. Bonjour, Effectivement, bonsoir Madame Soraya, effectivement, il faut faire une demande. bonsoir, monsieur Delif, ça Ça va, va vous allez Madame, vous bien? allez bien? Alhamdoulilah. Ça va très bien, merci beaucoup. Ouais, super. Effectivement, j'ai essayé moi-même aussi, mais je n'ai pas encore complété le formulaire, la demande. Je vais le Ouais. refaire aussi. Ouais, je vais le refaire parce que j'ai Mais je pas eu de pense que c'est retour. faisable, hein. Oui, c'est faisable. Il faut bien, en fait, c'est comme un CV à remplir. Il faut expliquer pourquoi, comment, combien de fois par semaine, est-ce qu'on a déjà l'habitude de le faire. Voilà. Donc, rien de grave. Bonsoir, Nawel. Bonsoir, Amina. J'espère que vous allez bien. Que tout le monde va bien. Et si ça va pas, eh ben, il faut chercher qu'est-ce qui va pas. Ça va pas s'arranger tout seul. C'est un bon conseil là. Mais oui, il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter avec cette phrase, quoi.
vraiment arrêter avec cette phrase à deux balles de ça va aller. Ça ne va pas aller tout seul. Ça finira par passer. Des phrases qui ne servent à rien. Hello Nawal Brand, merci beaucoup, avec plaisir. Ouais, on s'est lancé dans une aventure de 3 fois par semaine. Et puis voilà. Je remercie vraiment Monsieur Rossi parce que je l'aurais jamais fait toute seule, je pense. C'est ça le pouvoir du. Voilà le pouvoir du vivant. C'est un plaisir, Soleil, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Bah oui, parce que toute seule, bah, on tire la couverture et on se dit bon, allez, c'est pas grave, on fera ça demain. Donc voilà, voilà. Et puis c'est magnifique dans le réseau, on rencontre de belles personnes qu'on rencontrerait Benjamin. Monsieur Ashraf, il est sur place, c'est ça? Oui, absolument, oui. Ah, génial. Absolument. Top, top. Donc on a fait avec lui, Casa. Ça a grandi. Bonsoir Naïma sur Instagram. Bonsoir. Donc, si vous avez déjà des questions par rapport aux autres séances, je peux faire des petites réponses rapides et des petits rappels pour ceux qui sont sur Insta. Agadir est avec nous sur Instagram. Comme ça, au moins, on voyage en étant chez nous. Donc, rappel pour les quelques personnes qui n'étaient pas là. Donc, on avait parlé, donc on a choisi 12. Bonsoir Nasserdine sur Instagram. Donc, 12 thèmes, 12 principes d'excellence. Alors, un petit rappel, Hello Big Project. Quand on dit excellence, ça veut dire aussi loi du leadership. Ça veut dire aussi loi pour être charismatique. Mais ça veut aussi dire loi spirituelle. C'est la même chose. Et vous pouvez aussi le prendre comme loi religieuse. On est toujours dans le même état d'esprit, puisqu'au final, les leaders ont à peu près tous les mêmes caractéristiques, qu'ils soient politiques, économiques, business ou religieux ou spirituels, ou même les héros sociaux, j'ai envie de dire, de la société, les mouvements, les militants, ils ont ces 12. Ces 12 points d'excellence. D'ailleurs, la preuve, même sur aussi, je vais dire, pour la vision, je n'avais pas pensé à donner le meilleur exemple. Je viens de l'avoir, je vais le noter. Eh bien, c'était quand même, comment il s'appelle? J'ai oublié. Martin Luther King qui disait « I have a dream ». Et donc, voilà, c'est ça la vision, en fait. C'est démarrer avec quelque chose en tête directement. Et un autre rappel pour la vision, ce que moi j'appelle dans mes formations, je l'appelle le SWEM, parce que je l'ai un jour découvert dans un biscuit chinois. Et ça veut dire « start with an end in mind ». Ça veut dire « avant de démarrer », donc « démarre », mais avec la fin en tête. Qu'il faut avoir la fin, l'image de la fin, où tu veux finir, comment tu veux finir, il faut l'avoir en tête. Donc ça, c'est un peu un rappel de la vision. Le rêve, le grand rêve. Comment tu veux passer ta retraite? Ça, c'était pour la vision. Donc, petit rappel, comment trouver sa vision? Étape numéro 1, ben, c'est juste se dire qu'est-ce que j'aimerais faire de ma journée idéale. On ne parle pas de la vie, juste la journée idéale, qu'est-ce que j'aimerais en faire? On oublie l'argent, la société, les factures. Ce serait quoi pour moi la journée idéale? Sachant que j'ai des compétences, sachant que j'ai des passions, sachant que j'ai des envies, je prends tout ça et je fabrique la journée idéale. Donc, si j'aime donner cours, ben, j'imagine que je donnerai 3 heures de cours par jour. Si j'aime sortir, rencontrer du monde, voilà. Il faut mettre en fait tout ce que vous aimez faire dans une seule journée. Ça, c'était pour la vision. Ensuite, on avait parlé des peurs et des blocages. Donc, on avait parlé que les blocages, ben, en fait, venaient de la peur. Et la peur vient de toutes les mauvaises émotions qu'on a pu accumuler dans notre vie, qui étaient
colère, honte, frustration, tristesse. En résumé, donc pour faire sauter les blocages, en fait, il faut aller chercher nos vieilles peurs. Et comme les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire les vieilles peurs, ben en fait, c'est les vieilles croyances qu'on a installées chez nous. Et en même temps, ben, toutes les colères, les hontes et les situations d'humiliation qu'on a pu vivre dans notre vie. Et en fait, c'est tout le cumul de ça qui fait qu'aujourd'hui, on est bloqué. Donc vraiment, aujourd'hui, vous êtes bloqué à ouvrir votre entreprise parce que vous avez vécu certains blocages dans votre vie. C'est intimement lié. Sauf que les gens ne veulent pas, et on va l'expliquer aujourd'hui, ne veulent pas accepter ce lien indirect. Ils disent, mais non, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je veux vendre de l'aluminium. Tu me parles de situation d'humiliation quand j'avais 10 ans chez mon prof. Ben, tu peux faire comme si ça n'avait pas, comme si ce n'était pas lié, mais bon, bonne chance pour te débloquer. Et encore une fois, est-ce que tout le monde est obligé de se débloquer? Non. Ce sont les ficelles qui sont attachées derrière au bateau. Et en fait, le nombre de peurs à débloquer sera proportionnel à l'ambition que vous avez. Si je veux être professeur dans le lycée de mon quartier, je n'ai pas besoin de débloquer beaucoup de ficelles, puisque mes parents vont m'encourager à être prof dans mon quartier. Ils vont me dire, c'est bien, c'est la sécurité, il ne va rien t'arriver. Donc, je n'ai pas besoin de débloquer grand-chose. Et troisième séance, on a parlé de l'intention. Hello, Kautar. Et là, on a un blocage avec les gens qui disent, mais c'est pas possible que mon intention n'est pas pure. Je te jure qu'elle est pure, vraiment, sur la tête de mes enfants. Mais c'est pas grave, parce que l'intention pure, je vais changer le mot. On va pas dire qu'elle est pas pure, on va dire qu'elle est pas précise. Donc, il faut l'affiner. C'est comme si vous déposiez en fait votre dossier chez un juge, hein, j'ai envie de dire. Il faut l'argumenter. Donc, il faut argumenter votre projet, il faut argumenter votre envie, il faut argumenter vos intentions. Et c'est encore une fois ça que personne ne veut faire. J'ai envie de faire un projet, oh, c'est pour nourrir les enfants et payer les factures. Mais ne monte pas de projet alors. Ne te casse pas la tête, fais un travail de salarié. Pourquoi tu vas te mettre dans une situation où tu as besoin de beaucoup d'énergie? Travaille dans une boîte avec un patron, avec un cadre, une sécurité et tu ne seras pas bloqué. Puisque les ficelles, on te les a coupées à l'enfance. Tu as été à l'école pour être salarié. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Donc, je ne dénigre pas l'école ni l'université. J'ai fait l'université, donc. Mais je suis très bien placée. Comme a dit Idrissa Berkane, en fait, j'ai vraiment aimé ce qu'il a dit. Comme j'ai fait beaucoup d'études, ben, je suis bien placée pour critiquer les études. Donc, je ne les dénigre pas parce qu'elles m'ont servi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on peut avoir un peu de recul par rapport aux études et par rapport aux années qu'on passe à la fac. On pourrait le faire autrement, un peu plus intelligemment. Et à la quatrième séance, on a parlé du réseau. Et j'ai expliqué que le réseau, c'était prouvé scientifiquement. D'accord ? Qu'avoir un groupe de personnes qu'on admire, qu'on apprécie, qu'on respecte. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur la question que j'avais eue d'une personne qui m'avait dit: si une personne a réussi sa carrière et que je l'admire, mais quand c'est quelqu'un qui a des côtés négatifs, qui passe son temps à critiquer tout le monde, qu'est-ce que je fais? En fait, ce que j'ai oublié de répondre, c'était de dire, est-ce que ça rentre dans la définition de « est-ce que vous respectez cette personne ?» Ben non, si cette personne passe son temps à critiquer tout ce qui bouge. Et donc, ça ne peut pas être un de vos mentors. Parce qu'un mentor, c'est quelqu'un que vous respectez. Hello, citizen. Donc, un mentor, les mentors, ça peut être vos amis. Hein. Ça ne veut pas dire un professeur. Donc, c'est 3-4 personnes, 5 j'avais dit, que vous respectez, que vous admirez, que vous appréciez et qui ont fait quelque chose que vous avez déjà fait. N'importe quoi. Et donc, si ça respecte ces 4-5 règles, alors on peut dire que ce sont des mentors pour l'une ou l'autre chose. Quelqu'un qui est très bon dans le domaine de santé, quelqu'un qui est très bon au niveau de la gestion du temps, quelqu'un qui est très bon au niveau de la finance, une partie de votre vie que vous avez envie d'améliorer.
Et donc, comment ça se passe? Ben aujourd'hui, dans ma vie, j'ai par exemple 6 ou 7 consultants. Je les appelle des consultants. Même si ce sont des amis ou de la famille, ben ce sont mes consultants. Donc, si je veux une info sur les lois belges ou sur tout ce qui est syndicat, ben j'ai quelqu'un dans ma famille qui passe son temps à regarder ça. Je peux l'appeler, lui poser la question, et il va me donner la réponse, parce qu'il passe son temps à... Il maîtrise ce domaine. Si je veux regarder un nouveau film de qualité où je ne vais pas perdre mon temps, j'ai quelqu'un qui passe son temps à regarder des films, donc qui fait la sélection pour moi, et donc je ne vais pas perdre de temps à chercher. J'ai une liste de films, on va dire, présélectionnés. Quelqu'un d'autre qui va être, par exemple, dans le domaine, comme il avait dit l'autre, au niveau du business. Voilà, j'ose pas faire quelque chose où je me pose une question, mais il y a une personne que je peux appeler et lui dire, voilà, je voudrais lancer ça, ça, qu'est-ce que tu en penses? Quelqu'un au niveau des émotions, quelqu'un qui est très stable au niveau des émotions, et je vais pouvoir l'appeler juste pour lui dire, je stresse, je ne sais pas quoi faire, calme-moi. Et donc, c'est vraiment volontaire. Je sais que je dois me calmer, mais de temps en temps, on n'a pas envie de le faire seul. On va appeler quelqu'un pour lui dire, vas-y, calme-moi. Quelqu'un aussi que vous pourriez prendre dans votre entourage qui va vraiment vous servir, vous allez trouver ça très marrant, mais je vous assure que c'est très utile. Quelqu'un avec qui vous êtes très, très, très proche et qui sait tout ce que vous avez fait dans votre vie. Et quand vous n'avez pas le moral, ben vous pouvez appeler cette personne vraiment pour lui dire, salut, comment tu vas? Vas-y, dis-moi à quel point je suis génial. J'ai juste besoin de l'entendre. Et la personne, comme elle vous connaît super bien, elle est malade, t'as vu ce que t'as fait, puis t'as fait ça, puis t'as fait ça, puis... et tu te rappelles ce jour-là, et tu te rappelles ce jour-là, et tu te rappelles ce jour-là. Elle va un petit peu vous rafraîchir la mémoire sur deux, trois choses, pardon, que vous avez vécues ensemble. Et vous allez dire, OK, ça va, c'est bon, merci, je peux retourner à ce que je faisais. C'est vraiment apprenez à vous servir, dans le sens positif, hein, du terme, bah, des gens que vous avez, des compétences que vous avez autour de vous. Ça peut être un grand-père, ça peut être quelqu'un qui est au chômage, mais qui a une qualité. Donc voilà un peu le réseau, les cinq, comme les 5 doigts de la main. Cherchez 5 personnes dans votre entourage ou dans un réseau, rentrez dans les réseaux, commencez par les groupes LinkedIn, les groupes Facebook de qualité. Il y a toujours des personnes de qualité et c'est comme ça que vous allez tirer la ficelle, tomber sur les bonnes personnes. Donc voilà, on a fait un bon récap des 4 premiers principes de l'excellence, du leadership, du charisme, voilà, pour pouvoir gérer une entreprise, gérer même une famille, parce que c'est aussi une entreprise, et gérer toutes ses vies, eh ben, il faut avoir ses capacités de leader. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, évidemment, d'émotionnel, et c'est plus que 90%, je dirais, de l'émotionnel. Et de toute façon, c'est une étude de Harvard qui a confirmé que, en fait, la réussite, non, il disait que le leadership, c'était 20% de compétences techniques et 80% d'émotionnel, de la personnalité, ils avaient dit. Voilà. 80% de la réussite, c'est la personnalité. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi bah, vous avez des gens qui héritent des entreprises de papa. Donc, ils ont l'argent, ils ont fait les études, ils ont tout ce qu'il faut. Mais comme ils n'ont pas les qualités émotionnelles, ben ils n'arrivent pas à perdurer l'entreprise, puis ça fait faillite. D'ailleurs, il y a des formations qui existent, au cas où ça vous intéresse, spéciales pour la reprise des entreprises familiales. Donc ça, c'est vraiment une gestion à part, le fait de reprendre la boîte de papa ou de maman. Et donc pour les grandes familles, ben c'est des problèmes émotionnels qu'il rencontre, c'est pas du tout une question de compétence. Donc, voilà. Suis aussi déjà partie. Moi, je suis partie dans mon truc. Nous aussi, on est partis avec toi. Ben, je fais un résumé, hein, comme ça, personne ne tombe en parachute. Alors, bah écoute, actuellement là, on est à 26 sur Zoom et peut-être à 36 sur Facebook. 60. Ben là, j'ai fait un bon résumé et il est 11h20. Je ne sais pas si vous voulez qu'on attende encore un peu. Moi, je pense que Instagram, si vous avez dit. Pardon? Je propose qu'on démarre, hein. Ouais?
Une question de, si tu veux bien, il y a une question de Nisa qui a levé la main. Nisa? Oui, bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Soraya. Bonsoir mes Bonsoir amis. Nisa, comment tu vas? Très bien, merci beaucoup. Merci pour tout. S'il vous plaît, j'ai une question. C'est possible? Oui, allez-y. Pendant deux séances, vous avez donné l'exemple du triangle intention, Ouais. action, demande. La première fois, c'était Ouais. intention, action, demande. Et la deuxième séance aussi, c'était intention, vision, peur. Est-ce que vous pouvez reprendre un petit peu, s'il vous plaît, pour la schématisation avec le triangle? Et à chaque fois, on change juste l'action ou vous pouvez reprendre un petit peu cette image de triangle? Merci beaucoup. Alors, c'est un triangle. D'accord. C'est un triangle que j'invente, c'est-à-dire que j'ai relié les trois choses. Évidemment, on peut toujours le changer, mais ce que nous avons découvert en recherchant les points communs de tous les gens qui ont réussi, ou de tous les gens qui avancent en tout cas, on s'est rendu compte que les points communs sont l'intention. Donc l'intention, en fait, c'est un peu le rêve, hein. C'est un peu la même chose. La vision, d'accord? L'objectif final et le déblocage des peurs. Donc en fait, j'ai résumé ça en se disant, je suis un bateau qui est bloqué sur un port. Donc, un, il faut que je puisse avoir une vision. J'ai commencé par ici. La destination, où est-ce que je veux aller? C'est normal, avant de démarrer. Ensuite, il faut que j'enlève mes peurs et mes blocages, c'est les ficelles auxquelles je suis attachée. C'est logique, je coupe pour pouvoir y aller. Maintenant, ce dont personne ne parle, et pourquoi tout le monde se demande toujours pourquoi on bloque, c'est que l'intention n'est pas toujours pure. Et pour ne pas vexer certains, on va parler de n'est pas spécifique, n'est pas précisée. C'est-à-dire que la vie, la nature, le monde, Dieu, Bouddha, Jésus, appelez-le comme vous voulez, mais il ne va vous aider, la vie ne va vous aider que si votre intention, que si votre dossier, j'ai envie de dire, d'argumentation est assez solide. Donc, ça, c'est pour une question spirituelle, énergétique, spirituelle, religieuse. Mais pour une question énergétique, c'est la même chose. Quand on n'a pas assez d'intention, on n'a pas assez de raison de se bouger, eh ben, on n'arrive pas à passer à l'action. Donc, c'est vraiment le fait d'argumenter le pourquoi je vais bouger. D'accord? Quand je me lève bosser juste pour gagner de l'argent, je le fais plus ou moins. Mais si demain, par exemple, je prends le cas classique de toutes les mamans, mon fils me dit je veux telle université ou acheter tel ordinateur, là, c'est dans les tripes et mon intention, donc mon objectif est beaucoup plus pur, beaucoup plus précisant, précisé, précis. Et c'est ça qui va donner en fait la qualité. Donc en fait, 90%, 95% des gens, donc on recommence, 100% des gens, 95 n'avancent pas. Dans les 5% qui avancent, dans les 5, il y en a 95, OK, qui ont mis la vision et les peurs. Dans ceux-là, il y en a qui n'écrivent pas. Ça, on en fera peut-être un atelier. Il y en a qui écrivent. Ceux qui écrivent, en fait, d'ailleurs, c'est même ça qui va expliquer l'intention. Ceux qui écrivent arrivent à purifier et à préciser leur intention. Et c'est ça qui fait la qualité. Donc, vous avez 80% de chances en plus d'atteindre vos objectifs si vous écrivez vos objectifs. Et en fait, si vous me dites comment je trouve mon intention, ben c'est en écrivant, en précisant. C'est-à-dire, je peux vous dire, l'entreprise que vous avez aujourd'hui, ben donnez-moi 100 raisons. Donnez-moi 100. Est-ce que vous êtes capable de me donner 100 raisons pourquoi vous avez l'entreprise que vous avez aujourd'hui? Et si vous n'arrivez pas à les remplir, ben c'est que votre objectif n'est pas assez clair, n'est pas assez précis. D'accord? Donc, je veux faire ça parce que ça. Je fais ça parce que ça. Parce que, donc on répond à la question à chaque fois pourquoi. Et si on défait, on défait, on défait, on peut arriver facilement à 30, 40, 40, 50 réponses. Et là, ben c'est simple parce que ça se fait avec un stylo et une feuille. Ce que personne ne veut faire. Et que tout le monde dit, bah oui, je veux une entreprise parce que je veux vendre des téléphones parce que tout le monde a besoin de téléphone. Voilà. Et je vais vous donner un exemple simple de cette intention avec la vision. Et les peurs et les blocages, tout. Je vais donner l'exemple à Monsieur Rossi parce qu'il m'avait posé la question la semaine passée. Imaginez que je veux ouvrir une école de langue, une école de couture, de français, n'importe.
pour former les gens, voilà, c'est vague, j'aime bien donner cours, je forme les gens. Mais si je vous dis que je veux ouvrir cette école à Fès, dans tel quartier, je vais d'ailleurs prendre un quartier que je connais, à Hein Narjis, dans tel quartier, dans telle rue, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte dans mon histoire que mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, avait formé les premières femmes à la couture en 1845. Et en fait, elle s'est battue pour que les femmes puissent avoir accès à la connaissance. Et en fait, j'ai découvert ça, évidemment, en creusant. Ça m'a touchée et ça, ça a été mon point d'attache. Et ça, ça donne un sens à tout ce que je veux faire aujourd'hui. Et donc, ça change toutes mes actions, ça change toutes mes journées, ça change mes réveils, ça change mes listes, ça change tout. Parce que là, je vois quelque chose de clair. Je vais reprendre cette adresse, cette maison et continuer la mission de mon arrière-grand-mère. Je donne un exemple. Et donc, ça change tout. C'est plus j'ouvre une école pour donner des cours aux gens. Voilà, ils veulent apprendre, ils apprennent, ils ne veulent pas me casser la tête. C'est pas la même chose. En fait, dites-vous que vous avez un millier de cellules, des millions de cellules, mais moi, je vais dire 1000, d'accord? Ou même, on peut partir sur un chiffre simple de 100. Pour l'instant, quand vous êtes bloqué, vous n'avez convaincu que 20% de vos cellules. En fait, le travail, c'est de réveiller et de convaincre 100% de vos cellules pour qu'elles se lèvent toutes et qu'elles vous aident. C'est comme ça que vous allez purifier ou préciser votre intention. Et je vais vous parler d'un autre triangle aujourd'hui. Donc ça, c'est un triangle comme ça. D'ailleurs, dans la vente, on en parlera, enfin, 5 minutes. Dans la vente, pareil, tout le monde s'occupe toujours d'une partie et pas des deux autres. Et c'est ça qui fait dans tous les domaines d'activité qu'on ne donne pas de résultats. C'est qu'on ne respecte pas un process, on ne respecte pas les étapes de la vente, les étapes de la formation, les étapes de la création de projet. Non, on prend un et on part avec. On se dit, tiens, ça ne marche pas. Donc, il y a toujours des steps. J'avais donné l'exemple d'ailleurs des frites du McDo. J'avais dit, il y a 17 étapes à respecter pour pouvoir avoir le même goût des frites du McDonald's partout dans le monde. Donc, ce n'est pas par hasard que le résultat est là. 17 étapes précises. Donc voilà, Madame de Sache, je ne sais pas si c'était clair. Oui, merci beaucoup. Merci. Claire, c'est clair. Merci. Claire, comme de l'eau de roche. Voilà, on peut y aller? Oui, on peut y aller. Oui, on peut y aller. OK. Oui, il est 23h30. Bonsoir à tous, Monsieur Rossi. Bonsoir et merci pour votre présence. Bonsoir, les gens d'Insta. Et bonsoir les gens de Facebook que je ne vois pas, mais vous me voyez. Alors, donc, comme j'avais dit, on a parlé, on s'est déjà vu. On est en train de passer, je pense, un bon mois de Ramadan ensemble. Et je vous remercie pour votre présence. Donc, on a parlé de la vision dans la première séance, la première rencontre. Ensuite, on a parlé des peurs et des blocages. On a parlé de l'intention, donc la précision de l'objectif final. Et on a parlé de l'importance du réseau. D'accord? Aujourd'hui, on va parler d'un autre ennemi qui est en nous, ancré depuis toujours, en tout cas depuis longtemps, et qui nous empêche d'avancer. Et qui est en fait un petit peu à la base des peurs et des blocages, le premier saboteur qui sabote notre intention, celui qui sabote aussi notre vision, et c'est lui qui nous empêche aussi d'avoir un bon réseau. Et je vous le présente en bonne et due forme, Monsieur l'Ego. E-G-O. Alors, je pense que vous le connaissez tous. J'espère en tout cas que vous avez déjà identifié sa présence et vous vous rendez compte qu'il est là un petit peu toujours en train de susurrer à l'oreille des choses qu'il ne faut pas faire ou qu'il faudrait faire. Et en fait, ce qui est sûr et certain, c'est que l'ego, il ne nous donne jamais les bons conseils. Alors, l'ego, il nous pousse à nous saboter. Il nous empêche de faire ce qui est juste. Il nous pousse à nous protéger, d'accord? Mais malheureusement, cette protection va un peu trop loin et finalement nous empêche de passer à l'action, crée nos peurs, nos blocages. Et l'ego, comme il est fort, il justifie tout ça. Et il nous donne des belles explications et des belles théories de pourquoi il ne faut pas faire ce qu'il faudrait faire. Alors l'ego, qu'est-ce qu'il nous fait faire? À votre grande surprise, ce n'est pas toujours de la fierté, d'accord, comme je viens de dire, mais c'est des peurs. Donc, parfois, l'ego, c'est faire quelque chose, mais parfois, c'est ne pas faire. Parfois, c'est dire, et parfois, c'est ne pas dire. Parfois, l'ego, c'est être méchant,
Mais parfois, l'ego, c'est aussi être gentil. Parfois, c'est être égoïste et parfois, c'est aussi être généreux. Parfois, on donne par ego, parfois, on ne donne pas par ego. Parfois, on reçoit par ego et parfois, on ne reçoit pas à cause de l'ego. Et enfin, parfois, on n'aide pas à cause de l'ego, mais parfois, on aide à cause de l'ego. Et c'est là où toute la subtilité arrive, parce que là, on se dit, attends, on peut être gentil, on peut aider à cause de l'ego, là, je ne m'y retrouve pas. Eh bien, oui. Donc, comme j'ai dit, cet ego nous crée des réactions négatives et une énergie négative qui nous éloigne des autres, mais qui nous éloigne aussi et surtout de nous-mêmes, de notre vrai nous-mêmes, de notre vrai soi. Alors, la définition de l'ego, c'est quoi? Moi, je vous donne toujours une définition mathématique pour que vous puissiez comprendre. Alors, l'ego égale, c'est facile, égale vous bébé, vous à 4 ans, plus les croyances et les opinions de votre famille. Ça crée votre ego. Ensuite, l'ego vient se rajouter vos peurs à vous et vos croyances qui viennent déjà, d'accord, des croyances et des peurs de votre famille. Donc, on prend un enfant pur de 4 ans et on lui ajoute plein de croyances et plein de peurs et plein d'inquiétudes de sa famille. Ça lui crée un mental bien forgé, un truc bien dur, et il grandit, ou en tout cas, il devient adulte avec un bel ego. Et bien, l'histoire de la vie, c'est que pour réussir, il faut dompter cet ego, il faut désapprendre ce qu'on a appris et le dompter, lui dire pas d'accord. Le problème de l'ego, c'est comme c'est les croyances, les opinions et les peurs et les inquiétudes de ma famille, de mon entourage, à force de les avoir entendues et d'avoir donc vécu dans cet environnement, et bien entre l'âge de 4 ans et l'âge de 20 ans, je fais simple, mais la plupart d'entre nous sont même restés beaucoup plus longtemps chez les parents. Donc 16 ans, je prends vraiment le minimum, 16 années. Ben, au bout de 16 années, qu'est-ce qui se passe? Ben, je crois que c'est devenu moi. Et je deviens convaincue que ce n'est pas l'ego, c'est moi, c'est mes croyances. Alors qu'en fait, non, c'est les croyances de papa, maman, des frères et sœurs, de l'oncle, du coucher ou du grand-père. Parce que tout le monde nous impacte. Donc le problème, il commence à naître quand je suis convaincue que c'est moi et que je n'arrive plus à me détacher. C'est qui l'ego, c'est qui moi? Quand je pense, est-ce que c'est mes pensées à moi ou est-ce que c'est celles qu'on a installées chez moi et je ne m'en suis pas rendue compte? Donc, l'ego vient d'où? Alors, l'enfant, vous montrez, l'enfant c'est ça. C'est ça un enfant. C'est pur, c'est de l'amour. Un enfant, on lui dit « je t'aime pas », il te dit « moi je t'aime quand même ». On lui dit « t'es méchant », il te dit « s'il te plaît, pardonne-moi ». On lui dit « va dans ta chambre », il te dit « s'il te plaît, je peux sortir, j'ai bien réfléchi, je veux demander pardon ». C'est pur, c'est simple, c'est pas compliqué. Ça, c'est la pureté. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir ces petites boules de feu qui sont les colères, les frustrations, la honte, l'humiliation, le dégoût et la tristesse de papa, maman, grand-père, grand-mère, du boucher, de tout. Et donc ça, à force de les mettre dans ma tête, eh ben, je les intègre et j'ai plus l'impression avec le temps que ça devient moi. Ok? Donc ça, c'était beau, c'était à l'intérieur. D'accord? Et puis, ben, c'est mieux, on va dire à l'intérieur, voilà. Et il disparaît. Ok? Maintenant, je prends cet exemple. Voilà l'ego qui est devenu une pierre bien solide. D'accord? Donc, vous voyez, c'est pas la casser contre ma tête, mais c'est une pierre. Il n'y a plus du tout d'amour dans cette pierre. Hein. Il n'y a que de la peur, il n'y a que de l'ego, il n'y a que de la frustration, de la colère de tout le monde, de tous les gens que j'ai croisés. On a oublié les professeurs. Donc, on a les parents, la famille, mais on a aussi les profs. Donc, on est bien à bloc. Et donc, on est dur comme du béton. D'accord? Alors, vous allez me dire, mais bon, les gens ne sont pas morts jusqu'ici avec leur ego. Oui. Mais en fait, on a un point commun tous. Tous les gens qui sont ici sur Facebook qui me voient, tous les gens qui sont sur Zoom, qui sont sur Insta, en fait, nous avons un seul point commun.
qui fait la différence avec toutes les autres personnes qui ne comprennent pas pourquoi on cherche à comprendre tout ça. C'est qu'en fait, on a de l'ambition. L'ambition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut mener notre bateau loin. On veut voguer loin dans la mer. Et donc, quand on veut aller loin, ben, on doit faire ce travail. Donc, pour ceux qui vont me dire, pourquoi est-ce qu'on est obligé de le faire? On peut réussir sans. Oui. Je répète tout le temps, soit vous le faites et vous allez sauver votre réussite et votre famille, votre vie, soit vous ne le faites pas, vous allez réussir, mais vous finirez soit par perdre votre famille, soit votre santé. Mais ça se... Voilà, ça sort toujours quelque part. Donc, cette pierre qui est solide comme de la roche, ben, il va falloir poncer, 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 poncer pour enlever. Ça, ce n'est pas ma pensée, ça, c'est ma grand-mère, ça, c'est à ma tante, ça, c'est à ma mère, ça, c'est à mon père, ça, c'est au boucher, ça, c'est au prof. Et retrouver. Et quand on aura tout poncé, ben, je vous l'ai déjà montré, alors on va retrouver, d'accord, vos pensées à vous, qui sont toutes pures. Vous voyez qu'il n'y a pas de secret. Donc, la question de se dire, est-ce que ça vaut la peine ou pas, de casser tout ça pour trouver ça à l'intérieur. C'est ça la question. De retrouver notre âme d'enfant. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « Quand je serai grand, je serai enfant ». Finalement, les gens ambitieux, ben, leur objectif, c'est ça. C'est de pouvoir foncer dans tout ce qu'ils ont envie de faire sans réfléchir. Et pour ça, il faut retrouver son âme d'enfant ou de jeune, en tout cas. Pour certains, à 18-19 ans, vous verrez que dans la création d'entreprise, beaucoup de réussites se font entre 18-19 ans, 20 ans maximum, et puis on n'a plus rien jusque 50 ans. Parce qu'à cet âge-là, on est justement, on se jette et on ne réfléchit pas. Donc, l'ego, c'est celui qui réfléchit. Donc, l'ego, c'est celui-là. Et l'âme, c'est celui-là. Donc, celui-là, il renferme colère, peur, honte, colère, honte, frustration, tristesse, dégoût de ma famille et même de deux, trois générations et de tous mes professeurs. Vous imaginez qu'à 20 ans, déjà, on est bien, bien chargé. Donc, il va falloir casser pour retrouver ça. Et quand quelque chose vient du cœur, il y a une vidéo sur Internet, un TEDx qui s'appelle, d'Idriss Aberkan, qui s'appelle « Love can do ». Et il explique que les plus grandes entreprises dans le monde, en fait, la différence, c'est que c'était l'amour de deux choses. Donc, quand on est passionné par quelque chose, qu'on retrouve sa vraie intention d'enfant, de jeune, ça marche. Maintenant, comment déterminer ces comportements? Comment savoir si c'est mon ego qui parle ou si c'est mon âme d'enfant? Est-ce que c'est la gentille Soraya, la gentille à droite, ou est-ce que c'est la pas gentille Soraya? Et même pour vous rassurer, vous pouvez vous dire, est-ce que c'est la gentille Soraya ou est-ce que sont les croyances de ma famille? Parce que finalement, ce n'est pas les miennes. Quand j'avais 4 ans, je n'avais pas peur. On m'a dit d'avoir peur et de ne pas faire confiance. Donc, j'ai fait confiance et j'ai appris à ne pas faire confiance. Alors, comment déterminer ces comportements? Et là, je vais parler d'un triangle, d'un triangle, d'un triangle, d'un triangle, ok, S, V et B, le triangle de Cartman, pour ceux qui le connaissent déjà, qui nous permet de déterminer trois comportements qui, par définition, sont un comportement de l'ego. Alors, je m'explique. Il y a trois propositions que nous avons, ou trois réactions, trois types de comportements que nous avons, ça déjà, c'est de l'ego. Donc, en fait, ça, c'est l'ego, ça, c'est l'ego, ça, c'est l'ego. Ben, l'objectif, ce sera de sortir de ces trois-là et de se retrouver au milieu. Donc, l'idée, c'est déjà de sortir de ces trois réactions naturelles que nous avons. Alors, la première, c'est, comme je vous avais dit dans les gens qu'il faut éviter, la première, c'est celui qui joue la victime. D'accord? Donc, nous-mêmes, à chaque fois qu'on fait la victime, on répète les comportements qu'on nous a appris. Je suis d'accord avec vous. On fait la victime, je ne sais pas, j'ai pas, moi c'est pas la même chose, moi on m'a pas appris, moi j'ai pas été à l'école française, moi je parle pas anglais, moi je suis pas riche, mais moi c'est différent, mais moi vous pouvez pas comprendre. Voilà, là j'ai fait la victime, ça c'est l'ego. Ensuite, je vais faire le bourreau. Moi, mais c'est à cause de toi,
Si j'y arrive pas, c'est à cause de toi. De toute façon, tu comprends jamais rien. Je t'avais dit qu'on ferait ce projet, puis finalement, tu m'as pas écouté. Et puis, de toute façon, tu m'énerves à chaque fois que j'ai envie de faire un truc, tu ne me suis pas. Si tu m'écoutais, on aurait réussi. Si tu m'avais aidé, on aurait pu avancer. Tu. D'ailleurs, c'est tuer les autres. C'est faire le bourreau. Et le troisième comportement, je pense celui qui est le moins visible et qui va peut-être vous choquer, c'est le sauveur. Mais là, le sauveur, c'est quoi? C'est vouloir sauver tout ce qui bouge. Ah non, mais t'inquiète pas pour ce truc-là, j'ai la solution. Ah non, mais moi, j'ai la solution, ça ne le fait pas, ne cherche pas, je m'en occupe, appelle-moi. C'est aspirer tout ce qui se passe autour de moi pour sauver les autres. Donc, ces comportements sont valables pour les gens dont je vous ai dit qu'il faudrait éviter la compagnie. Donc, ceux qui font les victimes, ceux qui font les sauveurs et ceux qui font les bourreaux. Alors, aujourd'hui, on parle de nous. Quand moi, je suis sauveur, victime, d'accord? Pourquoi c'est très mauvais? Parce qu'en plus, ça crée un comportement, et ça génère une peur et un blocage chez l'autre. Donc, je reprends mon exemple du triangle. Donc, nous avons trois comportements dangereux. Le bourreau, le sauveur et la victime. Jusque-là, on est d'accord. Bien évidemment, dans notre chère famille, nous avons la joie et le plaisir d'avoir rencontré des sauveurs, des victimes et des bourreaux. Papa, maman, les deux grands-parents des deux côtés, les oncles et les tantes 5-5, le boucher, le poissonnier, l'oncle, la tante et la voisine. Ça fait pas mal. Donc, vous avez dû avoir minimum 3-4 sauveurs, 3-4 victimes et 3-4 bourreaux. Ça fait pas mal. Ces personnes-là, je commence par le début. Pourquoi aujourd'hui, nous, on est sauveurs, victimes, bourreaux? Parce qu'on en a rencontré dans notre vie. Ensuite, quand on les a rencontrés dans notre vie, ils ont déclenché un comportement chez nous, une émotion négative. Je vais donner des exemples. Le sauveur, ma tante ou mon oncle, qui a passé sa vie à me sauver à chaque fois et qui m'a jamais laissé faire quelque chose de moi-même, a créé chez moi un sentiment de culpabilité ou de honte ou de frustration. Mais en tout cas, de culpabilité parce que je lui dois beaucoup à cette tante. Donc voilà un premier blocage. Deux, j'ai mon père, par exemple, plus deux oncles et une cousine, on va faire un package, qui eux faisaient toujours la victime. Tu peux pas m'aider, tu peux pas porter avec moi, moi j'ai pas de chance, moi j'ai pas d'argent. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont créer chez moi? Un sentiment de pitié, de culpabilité aussi et de tristesse. D'accord? Voilà encore quelques blocages qui vont s'installer chez moi depuis mon enfance. Ensuite, je vais rencontrer quelques bourreaux. Mon grand frère, ma grande sœur, ma mère, ça peut être même la voisine. Mais si j'ai grandi avec la voisine, c'est la même chose qu'une tante. Et à force de me dire, tu es bête, tu t'en sors pas, tu fais n'importe quoi, c'est pas juste ce que tu fais, tu es bête, tu es idiote, voilà. Elle va créer chez moi, un, de la honte et deux, de la colère. Donc, grâce à ce package familial, je me retrouve avec une grosse culpabilité, une grosse honte, une grosse colère, tristesse, donc finalement toutes les émotions négatives. Donc voilà comment elles se sont installées chez nous. Qu'est-ce qui fait mon subconscient ou mon conscient? Il prend tout ça et avec mes propres peurs et mes opinions, il fait un bon mixage, évidemment, et il y a un comportement qui va ressortir chez moi, dans ma vie, où je serai principalement sauveur, victime ou bourreau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes principalement l'un des trois, mais vous êtes aussi un peu des trois. Pourquoi? Ce sont des réactions. Je suis un petit peu victime quand je vois quelqu'un qui est très bourreau, mais tout ça, c'est inconscient, très fort. Voilà mon père qui est très, très fort et qui va toujours imposer des choses, je vais jouer la victime. Par exemple, ma mère qui va toujours avoir besoin de l'aide, là, je vais jouer le sauveur. Okay? Quelqu'un qui va toujours se plaindre de ne pas réussir, je vais jouer le bourreau, je trouve le terrain prêt. Donc, je m'entraîne finalement dans ma vie, dans ces trois postes. Et comme je m'entraîne avec un grand plaisir parce qu'on ne s'en rend pas compte, on devient expert. Et il y a un de ces trois comportements qui sort.
mais comme on a quand même un petit peu d'étroit, ben voilà le secret aujourd'hui que je vous annonce de tous nos blocages et nos peurs, d'où elles viennent. Et c'est elles, en fait, qui sont cachées derrière nos peurs, et nos peurs sont cachées derrière l'ego. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ego. Quand on gratte l'ego, on trouve nos peurs. Quand on gratte les peurs, on va trouver les frustrations, colère ou tristesse. Donc, on a un petit peu de chaque avec chacun des personnes. Donc, ce qui est clair, c'est que je suis bourreau avec un, avec une amie. Je suis victime avec mon mari. Je suis sauveur avec mon enfant. Et ça devient mécanique. Et je passe de l'un à l'autre. Je suis sauveur, bourreau, victime. Et ça se fait très naturellement. Parce que on réagit aussi. Bonsoir. On réagit aussi au comportement des autres. Donc, voilà d'où ça vient. Et voilà comment on les a alimentés, nourris. Alors maintenant, vous allez me dire comment on fait pour s'en débarrasser. Ben déjà, la première chose, c'est ce que vous pouvez commencer à faire tout simplement, c'est d'identifier peut-être les personnes dans vos familles, dans votre famille, et vous amuser sur une feuille en disant, tiens, moi, dans ma famille, qui est sauveur? Qui vient toujours pour sauver les autres et pour dire, je suis Superman? Ou après dire, sans moi, vous serez barré. Je cherche. Puis je cherche, c'est qui fait la victime, qui aime bien aller chez le médecin, qui est toujours malade, qui est toujours en train de se plaindre, qui n'a jamais de chance. Je cherche, j'identifie. Et ensuite, je vais essayer d'identifier les bourreaux dans ma famille actuelle ou mes amis. C'est vrai que celui-là, il est toujours en train de me faire culpabiliser, toujours en train de me dire que c'est de ma faute, toujours en train de me taper sur la tête. Alors déjà, d'identifier ces personnes, ça va être plus facile déjà pour vous, pour accepter que ces comportements sont réels. Ensuite, deuxième étape, essayez de voir vous, seul dans votre chambre, comment vous réagissez avec votre mère, avec votre père, avec votre mari, avec votre femme. Ne vous jugez pas, il n'y a pas de jugement. Nous sommes tous bourreaux, sauveurs ou victimes. Ce n'est pas ça le problème. On est là parce qu'on a une intention super pure ce soir. C'est magique, c'est qu'on veut purifier notre ego. Le jour où on se débarrasse de l'ego, en tout cas où on le dompte, on est devenu un leader, on est devenu un modèle pour les autres et on est devenu aussi un mentor. Donc voilà deux façons d'identifier ces comportements. Et je vais terminer avec une petite histoire que j'avais lue dans un bouquin qui va juste vous montrer à quel point ce qu'on peut perdre parfois par ego. Parce que l'ego, c'est aussi ne pas avoir confiance et ne pas croire, puisqu'on a des peurs. En fait, c'était l'histoire d'une riche dame qui avait une servante chez elle à la maison pendant 20 ans. Et le jour où la riche dame en fait est décédée, enfin, sur son lit de mort en tout cas, elle a dit à la servante, tu sais le tableau qui est au-dessus dans ma chambre, tu peux l'avoir, je te l'offre cadeau. Et la servante s'est dit, bon, si elle me l'offre cadeau à la fin de sa vie, qu'elle me l'a dit comme ça et qu'elle n'a pas vraiment insisté, c'est que ce tableau ne doit pas être si important que ça. C'est même pas la peine que j'aille le faire expertiser. Et cette servante l'a gardée pendant 10 ans, 15 ans, chez elle à la maison. Et elle avait rencontré un étudiant, je ne me rappelle plus du détail de l'histoire, mais le jour où elle allait mourir, elle a pris ce tableau et elle a dit à l'étudiant, écoute, prends ce tableau, tu peux l'avoir, je te l'offre cadeau. Elle a voulu faire une passation. Et elle lui a dit, écoute, il ne doit pas valoir grand-chose, mais tu peux l'avoir. Cet étudiant a fermé ses oreilles, en fait, inconsciemment, à cette peur, à cette croyance, et a fait expertiser ce tableau et l'a vendu. Et l'étudiant s'est retrouvé millionnaire du jour au lendemain grâce à ce tableau. Et en fait, la morale de l'histoire, c'est qu'ici, la servante n'a jamais pris la peine de croire qu'il y avait peut-être quelque chose de positif dans ce tableau et a directement condamné la mauvaise intention de sa patronne et a mis ce tableau de côté. Et regardez l'étudiant qui était pur et qui avait une bonne intention, ce tableau avait été conservé pendant des années et des années pour pouvoir lui servir à lui, qui lui, avec une intention pure, s'est dit, je vais aller l'expertiser, j'ai rien à perdre. Si elle m'a fait un cadeau, c'est qu'il y a quelque chose de bon. Et voilà ce que peut nous faire perdre un ego ou ce que peut nous faire gagner l'absence de l'ego. Donc, l'ego, c'est vous, bébé, à 4 ans. Ensuite, on va rajouter toutes les croyances, les peurs, les frustrations, les colères, les hontes de la famille, de plusieurs générations même. Et comme avait dit Madame Nessa sur les
traumatismes ancestraux. Ça peut venir aussi de plus loin. On ne va pas remonter loin. En tout cas, déjà, les parents, les oncles, les tantes, les professeurs, comme je vous ai dit, le boucher, le poissonnier, le voisin. Et on se retrouve avec une belle pierre. Bien solide, bien dure. Eh bien, il va juste falloir poncer. Vous devez juste accepter que votre cerveau, aujourd'hui, comme une casserole qu'on a utilisée pendant 40 ans, 50 ans, qui est un petit peu sale quand même au bout de 40 ans et qu'on n'a jamais lavé. Eh bien, il faut juste prendre la patience de se dire, ben, à partir d'aujourd'hui, je décide de la réutiliser. J'en ai besoin. Et je vais la frotter tous les jours un petit peu. Ça peut prendre 1, 2, 3 mois si vous faites ça bien. Et au bout de 3 mois, vous êtes déjà sur la route de retrouver votre âme d'enfant. Vous commencez à voir les effets. Donc voilà, l'astuce principale, je dis bien évidemment parce que c'est un thème où on peut parler pendant des heures, l'astuce principale pour retrouver cet ego, c'est de se dire dans la réaction que je viens d'avoir, est-ce que j'ai fait le sauveur? Est-ce que j'ai fait la victime? Ou est-ce que j'ai fait le bourreau? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Le plus facile, je vais déjà vous dire, avec vos enfants, vous faites tous les sauveurs. Hein. Donc, il faut arrêter. Et avec les maris, vous faites les victimes. Ou les bourreaux, ça dépend. Donc, vous voyez que ça peut être à double tranchant. Avec le conjoint, on peut faire la victime et le bourreau, les deux. Et avec les enfants, en général, c'est souvent le sauveur. Les femmes font le sauveur avec le mari, c'est pas bon. D'accord? L'homme, il fait le bourreau ou la victime avec la femme, mais on joue toujours un des deux rôles, ou même parfois 2/3. Et pour ceux qui ont un bel ego, ben on joue avec les trois. Ça devient comme du piano, on joue avec les trois, avec tout le monde. Je sais faire sauveur, victime, bourreau, comme ça m'arrange, mais je m'en sors jamais indemne. Il faut toujours que je joue un rôle. Donc sortez de ces trois rôles déjà, et vous verrez, vous arriverez à identifier vos comportements égotiques. Et c'est déjà une première étape, parce que ce qui reste ne sera pas l'ego. C'est la confiance, c'est croire, c'est juste poser des questions pour avancer, c'est accepter les potentialités de réussite et de se dire, j'ai rien à perdre d'y croire. Donc voilà un petit peu en gros, et c'est comme ça que vous retrouverez bah, votre âme d'enfant, votre âme pure, vous retrouverez votre intention, vous la préciserez, vous retrouverez votre vision et puis ben, vous débloquerez vos peurs. Tout ça, c'est lié. Hein. Donc, c'est vraiment le jour où vous commencez le travail, vous sortez d'un cercle vicieux où rien ne marche, vers un cercle vertueux où tout marche. Et on verra dans une de nos autres séances, je vous réserve une belle surprise, sur le hasard. Que les leaders, comment les leaders se comportent avec le hasard. C'est une donnée très importante de la réussite. Voilà pour l'ego. Pour retrouver notre âme d'enfant ce soir, pour pouvoir rêver et retrouver notre rêve d'enfant. Voilà. À pile poil, j'ai fait 25 minutes. Magnifique. Nous ouvrons la porte aux questions. Je pense qu'il y aura des questions. Je pense. Merci, Monsieur Rossi. C'est moi qui te remercie. À ce stade, je n'ai pas de questions sur Zoom. Je pense que j'ai une question sur Facebook. Qu'est-ce qu'elle disait? 2 secondes. J'allais dire, monsieur Rossi, s'il n'y a pas de questions ce soir, c'est qu'il y a trop d'ego. C'est juste le temps de les préparer là, de digérer, de préparer les questions. Voilà. Oui, pas de problème, prenez votre temps. Hein. C'est, on est là. Donc, ce sont des thèmes un petit peu spécifiques. Mais c'est vraiment la base de toutes les formations qu'on peut faire. Comme vous avez dit, en fait, il faut bien se rendre compte que la plupart des formations qu'on fait, avec tout le respect pour que j'ai toutes les formations au monde, mais c'est un homme qui dit ça sur YouTube, c'est une publicité, et je vais voler sa phrase, il dit « Les objectifs que vous fixez aujourd'hui et les rêves que vous avez aujourd'hui, ce sont ceux qui sont imposés par la société. » Donc, c'est même pas les vôtres, et c'est aussi pour ça que ça traîne.
ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Et la plupart des gens attendent finalement la retraite pour réaliser leur rêve et pour ouvrir une petite boutique de peinture. Alors, on a une question là? Si, on a en fait deux petites questions. Alors, la première concernant le triangle de Cartman. La question dit, on est victime de jouer la victime, le bourreau et le sauveur. Donc, il n'y a pas autre chose que ce triangle. Ça, c'est la première question. Deuxième question en même temps, quel serait le rôle de l'ego dans le développement du business? Ah, alors là, vous avez une très belle vidéo de Idriss Aberkan. Alors, au niveau d'abord du triangle de Cartman, encore une fois, c'est un triangle et on procède par élimination. Donc, je ne peux pas vous donner comme ça une science exacte de vous dire, à part si je vis avec vous 24 heures sur 24, mais non, parce que j'ai l'habitude de vous dire, ça c'est l'ego, parce que c'est devenu, je fais de la chirurgie émotionnelle, mais le principe, le principal outil ou indicateur, c'est de se dire, je vais identifier mes comportements de victime, mes comportements de sauveur, et mes comportements de bourreau. Déjà, si vous n'êtes pas dans un des trois, c'est que déjà, vous n'êtes plus dans l'ego. Donc, c'est en fait sortir de ces trois-là. Donc, quand j'envoie un message, je réfléchis sur mon intention. Est-ce que je suis en train de me plaindre? Ouais, je fais la victime. Est-ce que je veux jouer mon Superman? Non, là, je fais le sauveur. Est-ce que je veux faire culpabiliser l'autre et le faire regretter? Non, là, je suis en train de jouer le bourreau. Donc, par exemple, un truc très simple, c'est « Vous comprenez rien à mes questions. » Ça, c'est bourreau. D'accord? J'ai vraiment pas de chance. Il n'y a personne qui comprend mes réponses. Ça, c'est la victime. D'accord? Par contre, je peux dire « Est-ce que je me suis bien fait comprendre ?» Là, je suis neutre. Je pose une question sans jouer la victime et sans vous attaquer. D'accord? Mais si je dis « Oh, de toute façon, vous inquiétez pas. Moi, les réponses, je les aurai toutes. » Là aussi, je fais le sauveur. Par contre, je peux dire, alors j'espère qu'on aura la réponse à vos questions. Je reste neutre, en positionnement neutre. Il n'y a pas de l'attaque, tu, le bourreau, il n'y a pas de, oh, je pleure, je suis la victime, il n'y a pas de, t'inquiète pas, de toute façon, je suis là. Ça veut dire, je suis le tout-puissant, sauveur. Donc ça, c'est un peu un indicateur très précis. Hein. Si vous arrivez déjà à sortir de ces trois-là, je vous tire mon chapeau. Ensuite, l'autre question, c'était dans quoi nous sert l'ego dans notre business. Alors, je vais voler l'information de Idriss Aberkan qui disait, soit vous mettez votre ego au service de votre business, soit c'est le business qui est au service de votre ego. Et, mauvaise nouvelle, 95% des entrepreneurs créent un business pour mettre en à l'honneur leur ego. Donc, je vais ouvrir une pharmacie à Casablanca parce que c'est la moindre des choses. D'ouvrir une pharmacie parce que moi j'aime bien préparer des cupcakes et que c'est un petit peu la honte. Donc là, j'ouvre un business pour mon ego. Je vais faire des études d'ingénieur d'État parce que quand je serai ingénieur d'État, je serai au-dessus de tout le monde et que là, on ne pourra pas me dire que mon diplôme n'est pas assez élevé. L'ego. Je monte une entreprise, mais il me faut absolument un bureau dans tel quartier parce que c'est la moindre des choses, c'est l'ego. C'est une croyance que parce que j'ai le bureau dans tel quartier, je vais trouver plus de clients. Croyance basée sur la peur de ne pas trouver assez de clients. Donc, j'ai envie de vous dire pourquoi vous montez votre business. Est-ce que vous en avez besoin? Si vous en avez besoin pour vivre vous-même, je ne parle pas de manger, boire et payer vos factures, si vous en avez besoin pour vivre ou survivre, c'est que c'est votre ego qui en a besoin. C'est que ça nourrit votre ego. Et c'est pour ça que je reviens sur la première question du premier jour sur la vision. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous feriez gratuitement ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans votre entreprise? D'accord? Est-ce que vous le feriez gratuitement? Donc, je fais ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je suis payé, tant mieux, parce que je dois payer mes factures et que je dois partir en vacances. Je ne suis pas payé pour X raisons. C'est pas grave, ça change rien à la qualité de mon produit. J'aime ce que je fais. Là, c'est sûr que c'est pas l'ego. Parce que faire un business que pour l'argent, ben c'est l'ego. Parce que pourquoi c'est l'ego? Parce que c'est la société. Il faut avoir une belle maison, une voiture, un chien, quatre enfants, une maison quatre façades.
Et donc, ce n'est pas pour moi. Donc, c'est pour les autres. Et donc, c'est pour les gens. J'ai envie de vous dire aussi, est-ce que votre business, vous pourriez le faire la nuit sans en parler à personne? Enfin, ça ne vous dérangerait pas que personne ne soit au courant? C'est un test pour savoir si c'est votre ego ou pas. En fait, vous pouvez tester très facilement votre ego. D'accord? Donc, faites attention. Regardez la vidéo de Idriss Aberkan, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais qui disait, oui, ça s'appelle, je pense, l'ego au service du business. Et il avait donné un exemple de Napoléon pendant ses batailles et qui disait, Napoléon avait utilisé son ego, il avait mis son ego au service des batailles. Et donc, il avait gagné toutes ses batailles, paraît-il, hein, je ne sais pas pour l'histoire. Et il dit, alors sur Insta, ça va couper, mais je vais le remettre dans 25 secondes. Et puis il dit, bah, Napoléon a toujours gagné jusqu'au jour où il s'est servi de ses batailles pour montrer qui il était. Et là, il a commencé à perdre. Et donc, ça change tout en fait. C'est une situation, c'est un retournement complet de situation. Je donne cours à Harvard ou bien je donne cours dans une université au fin fond de Agadir. Franchement, si je peux rendre des jeunes heureux, tant mieux. Si je le fais à Harvard, c'est bien. C'est vrai que ça me fera une bonne réputation. Mais si je ne le fais pas, ce n'est pas grave. Et c'est comme ça que je me teste aussi. Est-ce que c'est grave ou pas? Donc, je vais commencer par venir donner cours à Fès ou à Bruxelles. Si un jour on m'appelle à Harvard, OK, c'est bien. Mais ça ne doit pas être une condition. Et donc, si ce n'est pas une condition, alors ce n'est pas l'ego. Et d'ailleurs, un test assez simple pour savoir si c'est l'ego, c'est est-ce que il faut absolument que vous le fassiez comme ça ou pas. S'il faut absolument le faire de cette façon, c'est que c'est l'ego. Si vous dites que ce soit comme ça ou pas comme ça, c'est pas grave, OK. C'est pas l'ego. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est le fait que si vous insistez sur le fait que ce soit fait, là, c'est sûr que c'est l'ego. Alors, hop là. Voilà. Voilà. Vous me voyez? Parce que j'ai touché un bouton. Oui, on voit. Okay. Donc voilà. Donc il y a le triangle de Cartman et le fait de se dire est-ce que je dois absolument. Donc vous me proposez quelque chose qui me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Si vous me dites qu'on le fait, c'est bien. Si on le fait pas, c'est pas grave. C'était déjà pour vous faire plaisir ou me faire plaisir. Mais si je dois absolument le faire et que je ne lâche pas prise et que vous vous énervez si c'est annulé, là, c'est l'ego. C'est pour ça que j'avais dit que vendre des masques, l'intention n'était pas nécessairement bonne. Je sais que si je vends des masques, je dois les vendre et gagner mon argent. Je n'ai pas envie de commencer à expliquer en quoi ça peut sauver des vies parce que je m'en fous. Donc, c'est mon ego qui va me pousser à vendre ces masques. Donc, je ne vais pas en vendre. Mais si je suis passionnée par la santé et passionnée par les virus, et franchement, ça me fait trop plaisir. Je vais commencer à vendre des masques, je vais rencontrer des gens, on va discuter du coronavirus. C'est un plaisir, puis parfois, je vais en offrir. Là, ce n'est pas l'ego, là, c'est le plaisir. Et en même temps, je vais gagner de l'argent. L'argent, c'est l'ego. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit ce que vous êtes prêts à faire la chose gratuitement. Hello, hello. Je ne sais pas si j'ai parlé clairement. On pourra aussi faire une séance sur la peur du manque d'argent. Est-ce qu'on peut prendre d'autres questions, Soraya? Bien sûr, oui. On est là pour ça. Alors, okay. Alors là, il y a Hicham Oulabès sur Facebook qui dit, si on enlève l'ego, qu'est-ce qu'on doit installer à sa place? L'enfant de 4 ans n'a rien dans la tête. Il a tout ce qu'il lui faut. Il a l'innocence, la confiance et la foi que tout marche et que tout fonctionne. L'ego, c'est un petit peu notre mental qui, au départ, avait été créé pour nous protéger. En fait, il nous protège. Donc, jusqu'à un certain temps, il nous protège dans notre sécurité, dans notre confort. D'ailleurs, c'est lui qui nous dit « ne te lève pas, laisse tomber, fais pas ceci, c'est dangereux. » OK ? Donc, il nous protège. C'est bien. Mais comme nous, on est ambitieux, je reviens sur ça, on est ambitieux, on veut prendre des risques. Il ne faut pas oublier ce qu'on veut, d'accord?
Donc, c'est parce qu'on est ambitieux, qu'on veut aller loin, qu'on veut se dépasser, qu'on veut sortir de notre zone de confort. C'est nous qui sortons de la zone de notre mental. Donc, c'est normal qu'on est en train de se battre contre lui. Donc, si on enlève l'ego, il reste la bonne intention et l'eau. Il reste le cœur pur, il reste l'âme. Et en fait, je pense que quelqu'un me l'a dit sur Instagram. En fait, quand l'ego partira, je vous annonce une bonne nouvelle, c'est que vous allez faire connaissance avec votre intuition. Et l'intuition, c'est votre âme. C'est la bonne voie. Et c'est celle qui vous dira chaque fois ce qu'il faut faire. Et elle vous dira que les choses justes. Et vous verrez que là, ça devient magique parce qu'on n'a plus besoin d'aller voir 6 fournisseurs. Là, elle nous dit, va voir plutôt celui-là, c'est celui-là qui est le bon. Alors, ce n'est pas croyable, je sais. J'ai aussi souvent dit que ce n'était pas possible. Mais au final, ça se passe comme ça. Elle susurre à l'oreille droite. Le problème, c'est que l'ego, on l'entend trop. Une fois qu'on le fait taire, l'ego, on va entendre l'intuition. Et elle me dit, téléphone à ce monsieur pour ton projet. Ou vois plutôt cette personne. Et donc, elle nous guide. C'est pour ça qu'on parle d'un 6e sens. Donc, faire taire l'ego, c'est entendre l'intuition. Entendre l'intuition, c'est commencer à prendre que les bonnes décisions. Ça veut dire quoi, bonnes décisions? C'est les décisions qui nous font avancer, qu'on assume. Ça ne veut pas dire ne pas se casser la figure. Ça veut dire faire des choses, mais les assumer. Ah, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas grave de toute façon. Puisque je n'ai plus d'ego. Je n'ai plus peur de l'échec. Donc, il n'y a plus de, peur. Hello. Kinkosa. Bonjour Fabadi. Si vous avez des questions sur l'ego, on parle de l'ego aujourd'hui. Vous avez envie de le combattre parce que vous avez de l'ambition. N'oubliez pas, si vous êtes juste salarié, il n'y a pas grand-chose à faire. Quelques petits rajustements avec le patron et c'est bon, enfin, je pense. Salarié, je vais poser 3 questions. Comme ça, tu auras le temps de développer autour des 3. Alors, Khalid Bar, il pose la question. Alors là, ça a été facile. J'essaie de la trouver rapidement. Quelle est la limite entre l'ego et l'ambition? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Mon fils âgé de 26 ans et ma fille de 23 ans, j'ai toujours peur de ne pas assurer leur vie trop attachée comme s'ils ont 4 ans. Ça, c'est la deuxième question. J'ai 2 autres questions sur Facebook. Alors, pourrait-on conclure que l'ego ne fait que des actions négatives? La quatrième, et je vais arrêter là, est-ce que... Non, attendez, je ne l'ai pas sous les yeux. Voilà, le rôle que la maman joue comme sauveur n'influence-t-il pas négativement la personnalité de ses enfants? Voilà, 4 questions, je te donne la main. Ah ben si, la mère, elle tue ses gosses comme ça. Ah si. Alors, l'ego et l'ambition. Donc nous, aujourd'hui, nous voulons dompter cet ego parce que nous voulons, donc il faut revenir à la base. Hein. Je ne fais pas cette conférence pour une grand-mère qui va se dire, je n'ai pas besoin de combattre mon ego, je suis très bien. Donc n'oubliez pas que vous venez avec un objectif. Et alors là, je vous dis, voilà ce qu'il faut dompter pour pouvoir faire décoller votre avion. D'accord? Donc, l'ego, en fait, plus il sera absent, plus vous pourrez aller loin dans votre ambition. Pourquoi? Parce qu'il faut se mélanger à des gens, il faut poser des questions, il faut prendre du risque, il faut ne plus chercher la sécurité, il faut oser faire des choses. Donc, c'est parce que vous avez de l'ambition qu'il faut dompter l'ego. C'est comme si vous me dites, est-ce que j'ai besoin d'apprendre à conduire en voiture? Ça dépend si tu veux te déplacer en voiture ou pas. Donc, encore une fois, ce n'est pas obligé. Vous pouvez vivre avec votre ego. D'accord? Tout le monde a vécu avec et ils n'en sont pas morts. OK? Mais si vous voulez aller loin, plus loin vous voulez aller, plus il faudra couper cet ego. Ce mental qui vous protège et qui vous laisse bloquer dans la sécurité, dans le confort. Donc, n'oubliez pas que l'ambition, c'est le contraire du confort. À chaque fois que je veux avancer, je dois sortir de mon confort, de toutes mes habitudes. C'est faire sauter 40 ans d'habitude. Hein. Allez, 25 ans chez les parents. Donc, c'est faire sauter 25 ans d'habitude pour faire le contraire. Oser rester réveillé la nuit, oser partir en voyage sans ses enfants, oser peut-être risquer ou hypothéquer sa maison.
oser faire des choses, d'accord? Donc, c'est parce que vous voulez sortir de votre zone de confort que je vous dis qu'il faut pouvoir dompter l'ego. Et c'est l'ego qui va vous bloquer par rapport aux autres. Donc, ben, il ne faut pas qu'il soit là. Il faut que j'ose poser des questions. Il faut que j'ose demander. Il faut que je sois dans l'humilité. Donc, en fait, réussite égale humilité. Ou plutôt, humilité égale avancement. Chaque fois que je suis humble, j'ose demander pardon, que je n'ai pas honte, que je n'ai pas peur, ok, que je n'ai pas peur de me fâcher, que ça ne me dérange pas qu'on me dise non. Ben, quand j'ai ces six-là qui sont traités par l'ego, ben ouais, j'avance. Je peux vous donner le numéro de téléphone de l'ambassadeur, je ne sais pas moi, des États-Unis au Maroc. Ben, avec votre ego, vous n'oserez pas lui envoyer un WhatsApp. Vous garderez le numéro de téléphone chez vous pendant quelques années, avant de lui envoyer un WhatsApp. Donc, vous voyez bien que votre ego vous bloque de votre ambition. Bonsoir à tous sur Insta. Alors, donc, qui dit ambition, dit dompte, comment on dit ? Dit maîtrise, non. Domptage, je ne sais pas comment on dit en français, dompter l'ego. D'accord ? Donc, il faut dompter l'ego pour pouvoir atteindre son ambition. Et regardez la vidéo de Idrissa Berkane, Love Can Do. Ceux qui ont avancé, ça a toujours été une histoire d'amour avec leur projet, de passion. Les enfants. Alors, madame, qui dit que ses enfants ont 24 et 26 ans et qu'elle continue à s'inquiéter pour eux. Ben, ça va être la même chose. Je vais répondre à l'autre question qui est la même. Je suis sauveur avec mes enfants. Ne suis-je pas en train de leur faire du mal? Non, madame, vous êtes juste en train de les tuer. Et bien, comme vous êtes un sauveur avec votre enfant, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous créez chez lui déjà la dépendance, d'accord, l'attachement et la culpabilité. Donc, vous êtes en train de lui créer ses ficelles. Ce n'est pas de votre faute, c'est comme ça. Donc, plutôt, vous prendrez conscience de votre comportement de sauveur et plus vite, vous couperez ses ficelles et plus vite, lui pourra avancer parce qu'il devra les couper un jour ou l'autre s'il a de l'ambition. Donc, le fait de vouloir trop le sauver, vous le rendez victime sans le savoir. Vous créez chez lui la culpabilité. Et puis, ça peut être aussi de la frustration parce qu'il n'est pas autonome. Donc oui, les mamans sauveurs, c'est des grands criminels. Donc ça, c'est pour les sauveurs. Maintenant, j'ai envie de vous dire autre chose, madame. La vie a montré suffisamment d'histoires pour montrer que il y a des enfants orphelins, d'accord, qui n'ont ni père ni mère, qui ont été élevés par des familles d'accueil, qui ont grandi dans des orphelinats et qui s'en sont très bien sortis dans leur vie. OK ? Ça veut dire qu'à un moment donné, chacun va retrouver sa voie grâce à son énergie. Donc, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas vous qui allez assurer leur avenir. C'est eux qui vous assurent aujourd'hui votre présent. D'ailleurs, on dit que chaque enfant naît avec son karma, avec sa chance, avec son bonheur, avec son risque. Donc, ce n'est pas vous qui le nourrissez, c'est eux qui vous nourrissent. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une phrase qui dit, et c'est une phrase qu'on retrouve d'ailleurs dans le Coran, mais ça va vous parler un petit peu au niveau du monde animal. Le monde animal, il y a des bébés animaux qui sont nourris et qui survivent alors que leur maman ne s'occupe pas nécessairement d'eux jusqu'à un certain âge. Et c'est le cas des corbeaux. Et donc, il y a une phrase qui dit, donc, « Ô Seigneur, nourris-nous ou accorde-nous la subsistance comme tu l'accordes aux bébés corbeaux. » Et en fait, en faisant des recherches au niveau du monde animal, on se retrouve que les bébés corbeaux, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne les ai pas, mais que les bébés corbeaux ne naissent pas avec les poils noirs, mais les poils blancs. Et que la mère corbeau ne les reconnaîtrait pas au départ, et qu'elle les laisserait mourir de faim. Et qu'en fait, par magie, appelez-le comme vous voulez, la peau des corbeaux attire les vers de terre. Ça fait que grâce à cette peau qui attire les vers de terre, le bébé corbeau peut se nourrir. Et c'est seulement à un certain âge qu'il attrape la peau noire que la maman corbeau vient les nourrir. C'est une belle histoire. Et vous me direz que nous ne sommes pas des corbeaux. Mais ça veut juste dire que si le monde animal qui est beaucoup, 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 beaucoup plus important que nous, et nous le voyons en ce moment, nous sommes confinés chez nous et le monde continue de tourner.
Si tous les animaux et les plantes arrivent à subsister, à survivre, à vivre, à croître, à se développer sans qu'il y ait nécessairement une maman qui travaille pour s'occuper d'eux, je pense que dans le monde humain, ça fonctionne aussi comme ça. Et j'ai envie de vous dire, piège de l'ego, c'est pas vous qui les nourrissez, c'est pas vous qui allez subvenir à leurs besoins. C'est l'ego. Si je suis pas là, qui va s'occuper d'eux? Ne vous inquiétez pas, il y aura quelqu'un qui viendra s'occuper d'eux. C'est le cas de tous les orphelins de cette planète qui s'en sont très bien sortis. Et la morale veut que beaucoup d'orphelins se sont beaucoup mieux sortis, ont beaucoup mieux réussi que des enfants qui avaient leurs deux parents. Donc oui, vouloir assurer tout pour ses enfants, c'est jouer le sauveur. Alors la dernière question, est-ce que l'ego nous pousse toujours à faire des choses négatives? Aujourd'hui, dans l'état où nous sommes tous, dans cette situation, je vais vous dire oui, et contentez-vous de cette réponse. Parce que vous n'allez pas tomber dans le piège. La dernière fois, vous allez me dire, oui, mais la peur, on en a besoin. OK, mais aujourd'hui, vous n'en avez pas besoin. On est d'accord? Aujourd'hui, vous êtes dans une étape du process. Vous vous rappelez de mon beau tableau? Aujourd'hui, vous êtes dans une étape du process où vous devez vous, pas vous débarrasser, reconnaître, identifier et dompter votre ego. Quand vous en aurez besoin plus tard et que vous le reconnaîtrez, vous le reprendrez. Mais pour l'instant, il faut le mettre en cage. Donc oui, pour l'instant, je dirais que l'ego, de toute façon, il n'y a pas d'amour dans l'ego puisque c'est le mental. Et le mental est vraiment opposé au cœur. J'ai vraiment envie de prendre cette personne dans mes bras pour la rassurer, mais mon mental me dit « mais non, c'est la honte, ça ne se fait pas, enfin, d'où tu la connais et pour qui tu te prends ?» Ok, d'accord, je reviens en arrière. Mon ego me dit de ne pas vous proposer de l'aide. Ben non, vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. Puis de toute façon, si vous voulez, vous n'avez qu'à me demander. Ben, mon cœur, il me dit non, ben, demande-lui, puis on ne sait jamais, peut-être qu'elle n'en veut pas. Mais mon cœur, il vient vers vous, il vous dit ce que tu as besoin d'aide. Et vous, vous dites non, j'en ai pas besoin. Ben voilà. Donc l'ego, c'est le mental, c'est l'analyse. Alors, Boulawan Finkosa, alors comment on est conscient qu'on est neutre? C'est quand vous avez une réaction, demandez-vous est-ce que vous êtes sauveur? Est-ce que vous jouez le Superman? Est-ce que vous jouez la victime? Ou est-ce que vous jouez l'accusateur? En train d'accuser le bourreau. Posez-vous les trois questions et concentrez-vous un petit moment. C'est de l'entraînement. Hein, d'accord? Donc, si vous le faites tous les jours, moi, je vous dis que dans 21 jours, vous allez déjà y voir beaucoup plus clair. Mais ça ne s'apprend pas comme ça. C'est des formules mathématiques. Il faut s'entraîner dessus. Ouais. Donc, voilà, j'ai répondu aux quatre questions. Alors, il y a quelqu'un qui a mis l'ego, c'est l'orgueil, oui. C'est le piège de la vie. C'est la goutte de vinaigre qui va annuler tout ce que vous avez envie de faire de mielleux dans votre vie. Donc, l'orgueil, c'est le défaut. D'ailleurs, il fait partie des sept péchés capitaux. On le retrouve dans les trois religions et c'est celui qui tue tout ce qu'on fait. C'est celui qui rend acide vos actions. La même personne, avec le même produit, avec la même entreprise, avec et sans orgueil, c'est deux choses différentes. Prenez un boulanger avec orgueil et prenez un boulanger sans orgueil et faites la différence. Donc l'orgueil, c'est vraiment cette goutte invisible, mais qui va tout vous foutre en l'air. Parce que moi, si je crée une entreprise, c'est pour montrer de quoi je suis capable. Moi, je vais montrer à ma mère ou à ma tante ou à mon oncle ou à mes voisins. Dès que c'est pour montrer à quelqu'un qu'il a tort, c'est l'orgueil. C'est plus l'amour. Et si cette personne à qui vous voulez prouver que vous êtes le meilleur, elle meurt, ben donc votre vision, elle tombe à l'eau. Donc votre projet tombe à l'eau. Parce que la personne que vous vouliez convaincre n'existe plus. Donc tout est lié. Hello Youssef. Hello Boulawan. Donc l'ego, oui, c'est l'orgueil. C'est la fierté mal placée. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle la fierté mal placée. OK? C'est tout ce qui est fait pour montrer aux autres. Vous pouvez aussi faire un test simple. Vous savez, vous vous enfermez la nuit seul, attendez 3-4 heures du matin, parce que l'ego, le mental, en fait, il dort à ce moment-là. On fera aussi des formations la nuit, monsieur Rossi, au Maroc. Je viendrai faire des nuits. Ça vous dit ça? Mahba.
Mahba. Alors, des nuits, mais je suis très sérieuse. Des nuits, hier, j'y pensais parce que je rêve beaucoup, mais qui commencent à 22h et qui finissent à 6h du matin. Et vous savez, la qualité du retour qu'on va avoir au niveau des exercices, parce qu'à ces heures-là, le mental, il est out. Il n'est pas là. Donc là, on n'a que le subconscient et l'inconscient, j'ai envie de dire, qui sont présents. Et c'est une façon d'avancer. Tous les gens qui ont créé des choses dans leur vie, faites vos recherches, vous diront « je crée la nuit ». J'écris la nuit, les chansons, les n'importe quoi, les livres, ça se passe la nuit. Donc, si je vous parle la nuit, ben, le mental, en fait, il n'est pas là, il n'y a pas de résistance. C'est une résistance. En fait, c'est un. En fait, vous savez, le mental, c'est quoi? C'est un peu le concierge que votre grand-père il a engagé. Ça fait trop longtemps qu'il est là. Il est devenu mécanique et automatique. Il bloque tout ce qui bouge juste parce que c'est son poste. Mais il ne sait même plus ce qu'il fait. Et il est resté avec les règles du grand-père. C'est ça votre ego, votre mental. Et une astuce pour répondre à la question, comment on le reconnaît aussi? Le mental, c'est en général la première réaction qu'on a. Et je pense que c'est de là que vient le proverbe « tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler ». Le mental, c'est la première réaction. On pose, on attend, on se calme, et puis c'est la deuxième. Oui, Ashraf, retrouver cette feuille blanche pure. Exactement. C'est ça l'ego, c'est oui, c'est retrouver ton âme d'enfant avec tes compétences d'adulte. Il y a une question de Karim sur Zoom. Alors il dit, est-ce que combattre l'ego n'est pas synonyme de tomber dans la soumission, sachant qu'on est entouré que de gens avec des égos embêtants? Ah non, vous ne serez pas soumis, bien au contraire. Vous allez vous désoumettre. Je ne sais pas si le verbe existe, mais vous allez vous détacher des gens. Parce qu'au contraire, vous allez sortir de leur filet. Alors, le bourreau et le sauveur, si vous êtes victime, vous les nourrissez. C'est comme des vampires qui sucent votre sang. Au contraire, vous allez vous mettre debout, vous ne serez plus victime de leur jeu égotique. Et en fait, comme ils ne trouveront plus de sang, je donne une image à sucer, ils vont aller voir ailleurs. Au contraire, le jour où vous allez commencer à combattre votre ego, et je parle vraiment en connaissance de cause, on me l'a expliqué, et ces gens vont disparaître de votre vie parce qu'ils ne pourront plus se nourrir chez vous. Donc, les autres se nourrissent de votre gentillesse, de votre naïveté, et le jour où vous vous réveillez, que vous arrêtez de faire la victime, mais qu'en même temps, vous aidez avec vos limites, ben, ils disent, il n'y a plus rien à prendre, en fait. C'est comme des voleurs, et que vous êtes réveillé qu'on vous vole. En fait, ils vont partir. Alors, the ego in our heads is the real burden we carry. Exactement, Mohamed Outrassi. L'ego, c'est dans notre tête et il est là. C'est la première barrière. C'est pour ça que c'est lui qui répond le premier quand on nous fait une proposition. D'ailleurs, on dit souvent, mais c'est n'importe quoi, t'es folle, t'es fou. Mais non, tu crois, c'est vrai. Ça, c'est les premières phrases qui sortent. Ben, ça, c'est l'ego. Donc non, bien au contraire, vous allez... par la loi de l'attraction, par la loi de l'énergie, quand vous allez commencer à travailler sur votre ego, ces gens-là vont disparaître de votre vie. Ils ne trouveront plus rien à manger chez vous. C'est comme si vous arrêtez, comme je vous ai dit, vous arrêtez de vous faire voler. Donc, ils sortiront et vous allez commencer à attirer des gens comme vous. Purs. Donc, il y a quelqu'un qui vient me demander, je pense, comment vivre avec un mental, enfin, avec un esprit pur dans la société d'aujourd'hui. Ben, la société d'aujourd'hui, vous êtes avec des gens avec ego parce que vous avez encore le vôtre. Et plus vous allez avancer, monter dans les étages, comme dans la maison là, que j'ai expliqué, ben, vous allez croiser des gens de votre étage. Plus vous allez vous purifier, plus vous allez rencontrer ces gens-là. C'est un peu l'histoire des vibrations. Deux questions sur le triangle de Cartman. Alors, il y a Hicham qui pose la question. Alors, à votre avis, est-ce qu'il est opportun de faire un panachage des trois composantes de triangle Cartman pour réussir ses décisions dans la vie? Alors, deuxième question, dans le même sens, quel conseil pourriez-vous donner aux salariés pour sortir du triangle de Cartman de Suède? Alors, le panaché des trois, non. Ce que vous allez faire,
Et je sais que vous allez me détester, mais il faut prendre un stylo et une feuille. Je suis désolée. Prenez un stylo et une feuille et faites le travail sur vos réactions de la journée. Et vous faites 3 colonnes. Vraiment. Vous prenez vraiment une feuille. OK. Je vais prendre une feuille. Vous faites un tableau. En fait, il faut vraiment vous analyser vous-même. Vous ne voulez pas aller chez le psy, vous ne voulez pas vous faire accompagner par un expert. Vous pouvez le faire vous-même, mais il faut le faire. Voilà. Après, à un moment donné, il faut que quelqu'un le fasse. Donc, vous pouvez tout simplement faire 3 colonnes. S, V et B. Par exemple, comme ça. Et je vais écrire ici mes réactions. Voilà, je vais en prendre 3 aujourd'hui. Et je vais essayer de les analyser moi-même. Donc, aujourd'hui, j'ai dit oui, non, j'ai refusé ceci. Et je vais réfléchir. Est-ce que c'était victime? Est-ce que c'était sauveur? Ou est-ce que c'était bourreau? Et il va falloir le faire plusieurs fois pour que ça devienne inné chez vous. Alors, ce n'est pas un panachage des 3, mais c'est sortir de ces 3 pour prendre les bonnes décisions. N'oublions pas que l'objectif final, c'est gérer une crise, gérer les imprévus, prendre les bonnes décisions, être stable émotionnellement. Tout ça ne sera possible qu'avec votre intuition. D'accord? L'intuition, on le trouve dans l'âme. Donc, il faut identifier l'ego. Donc, quand la personne avait dit panachage, vous allez faire cet exercice le matin. Ça va vous prendre 10 minutes. Vous le faites sur la veille, par exemple. Et en fait, vous allez reconnaître. Vous savez, ça me fait penser un petit peu aux mathématiciens avec les calculs à l'époque, où on avait difficile, nous, à reconnaître cette formule mathématique ou le calcul. Et puis, il y avait le plus fort de la classe qui dit « Ah oui, non, mais je vois, ça, c'est un sinus, cosinus, tangente. » Il le voit comme ça, voilà, à l'œil nu. Comment tu as vu ça? Ben, c'est de l'entraînement. Donc, le travail sur soi, c'est de l'entraînement. Donc, n'espérez pas avoir des résultats après une formation, après un séminaire, après une séance. Même si vous avez une séance à 10 000 dirhams, à 10 000 euros, ce n'est pas une séance. Vous devez apprendre à avoir vos propres outils. Donc, vous apprenez maintenant ce que je vous enseigne et puis vous l'utilisez. Ceux qui vont utiliser ce que je viens de dire vont pouvoir vraiment voir des changements. Si un jour on refait une conférence et qu'ils disent « je voudrais m'améliorer », ben, ils auront gagné toute cette période. Et même si on fait un atelier pratique, ils auront déjà gagné toute cette période parce qu'ils se sont déjà entraînés. Donc, l'entraînement ne peut se faire que seul chez soi, à part si vous voulez payer quelqu'un qui va vous appeler tous les matins et qui va vous dire « envoie-moi ton analyse ». Maintenant, c'est un petit peu ce qu'on vous propose via Instagram et tout. C'est déjà un grand cadeau qu'on vous fait. Posez vos questions. Mais de toute façon, les abdos, on ne pourra pas les faire à votre place. Ah. Ça, c'est comme ça, quoi. J'ai souvent essayé de regarder les vidéos de sport et ça ne m'a pas fait migrer. À un moment donné, il faut se lever, les faire soi-même. On n'a pas encore compris ça. Donc je comprends. Je comprends. Voilà. Nous sommes la même chose avec les vidéos de sport. On les regarde, on les trouve géniales. On met un beau jogging et puis on va dormir. Alors, pour la question par rapport aux salariés, le triangle de Cartman. Alors, encore une fois, mauvaise question. On ne s'inquiète pas de savoir si nos salariés sont sauveurs, victimes ou bourreaux. On s'inquiète de nous, où est-ce qu'on est. Parce qu'il n'y a que vous qui êtes sûr d'être encore là avec vous. Après la crise, avant la crise, dans cette entreprise ou dans une autre. Occupez-vous de vous-même. Changez-vous vous-même. Identifiez ces comportements vous-même. Vous allez commencer à attirer de meilleures personnes. Les salariés vont peut-être changer. D'accord? Il va commencer à y avoir d'autres personnes qui vont rentrer ou sortir dans votre vie. Ensuite, par effet miroir, il y a la théorie des miroirs, il y a la loi d'attraction, il y a la loi énergétique, il y a plein de lois qui vont faire qu'ils vont commencer à se modifier, ces gens-là, par effet miroir. Donc, Madame Souhaïd, elle n'aura pas perdu de temps puisqu'elle aura commencé à travailler sur elle-même et qu'après, par magie, il va se passer des choses dans sa famille et dans son monde professionnel. Donc, condition numéro 1 pour un chef d'entreprise, c'est de se former lui-même. Donc, nous avons eu une fois l'opportunité de former un chef d'entreprise à Casablanca qui avait une équipe de, je sais pas, de 100 personnes. Et je vous assure que c'était vraiment un bon marché
Et je lui ai dit comme condition, d'abord vous. Et il m'a dit non. Je lui ai dit, mais vous voulez apprendre vos équipes à être de bonnes personnes, mais vous, vous ne voulez pas le faire, ben, ça n'a pas de sens. L'intention est comment, monsieur Rossi ? Pour être pur, n'est-ce pas ? Ben, l'intention n'est pas pure. Pourquoi ? Il veut que son équipe change vite pour gagner de l'argent et pour lui rapporter du chiffre d'affaires. Donc, au final, ben, le développement de la personne ne l'intéressait pas. Donc, il n'était attiré que par le chiffre d'affaires. Donc, je dis, ça n'a pas de sens. Puisque votre intention, vous allez commencer à mettre de la pression à votre personnel. Vous ne voulez pas qu'ils deviennent meilleurs, vous voulez qu'ils vous vendent... Ils leur vendaient un produit. Ouais. Je ne sais plus c'était quoi, du café, des capsules de café, je pense. Donc ça n'a pas de sens si on ne prend pas le problème par la queue. Quoi. Enfin, faut prendre le taureau par les cornes. Il faut commencer par le début. Et personne ne veut commencer par le début. Donc, Madame Souhaïd, je m'excuse, mais vos salariés, non. D'abord, vous. Et vous serez gagnante. J'ai 6 questions sur Facebook. Peut-être je vais les lire toutes les 6, d'accord ? Oui, j'écoute. Alors, dernière question, c'était de Khamli Chalawi. Alors, il dit l'ego, altruisme et le capitalisme fait bon ménage ? C'est une question. Alors, l'ego, l'altruisme qu'ils font, et le capitalisme qui font bon ménage. D'accord, ok, d'accord. Je vais noter. Je ne juge pas. D'accord. Alors, quoi d'autre ? J'ai ici une question. On va prendre plusieurs questions, comme ça on peut c'est les. C'est ça, exactement, pour. Voilà, oui. Alors, bonsoir à tous et à tous. Salut de Nantes, le lien entre. Cédric de fait sur Facebook demande le lien entre l'ego et la foi. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, en même temps, il y a une autre question. Comment atténuer l'effet de l'ego ? Je pense qu'on a déjà parlé de ça. Ouais. Alors, la question suivante. Peut-on considérer certaines valeurs comme ego ? Et ça, alors, une autre question. Est-ce que les personnes qui sont perfectionnistes ont plus d'ego ? Ouais. Je passe à une autre question. Parce qu'on a déjà répondu, c'est pour les 4 ans. Alors, il y a une, voilà, oui, il y a parmi les premières questions qui étaient posées, comment peut-on mettre l'ego en faveur du travail collectif et est-ce que c'est possible ? Ouais, d'accord. OK, ego au travail collectif. Alors, déjà, s'il vous plaît, quand on parle d'ego, parce que regardez, c'est votre ego qui parle. On est là pour traiter notre ego. Et on me demande comment traiter l'ego des autres. Donc déjà, vous retombez dans le piège de l'ego, c'est que vous voulez soigner l'ego de votre personnel, de vos salariés, ou bien des autres, ou bien de la société, ou bien du travail collectif. Donc le travail commence par soi. Une fois que vous allez vous occuper de vous, par effet boule de neige, par effet miroir, il va se passer des choses à l'extérieur. Donc, déjà, ne vous inquiétez plus de l'ego des autres. Parce que ça, c'est l'ego qui vous dit, ben, ils n'ont qu'à changer. Hein. Ils n'ont qu'à devenir plus calme, ils n'ont qu'à devenir plus dressable, j'ai envie de dire, pour le personnel. Et comme ça, ça y va plus vite. Donc, l'ego, c'est soi. Ensuite, ben, l'ego, est-ce que ça peut se marier avec le capitalisme ? C'est qui a inventé le capitalisme ? Ah, ce n'est pas des altruistes, je pense. Je dis ça, je dis rien. Je ne suis pas spécialiste de l'économie, mais en tout cas, le capitalisme, c'est quoi ? C'est de l'argent, je pense. C'est ça, hein, monsieur Rossi ? C'est gagner beaucoup d'argent. C'est des sociétés. Donc, gagner beaucoup d'argent, pourquoi ? Pour avoir du pouvoir. Pourquoi ? Pour pouvoir diriger. Pourquoi ? Pour pouvoir contrôler. Qui dit contrôle, dit ego. C'est QFD. Donc, qui dit contrôle, ben, ne dit pas altruisme. D'accord ? Parce qu'altruisme, ben, c'est consultation, c'est collectif, c'est coopératif, c'est mettre sa personne de côté. Il n'y a pas de chef.
Il n'y a pas de décideur unique en tout cas. Donc, c'est déjà opposé. Et n'oubliez pas que la plupart des choses que vous utilisez aujourd'hui comme termes sont inventées par la société. Et donc on n'est pas l'amour, on n'est pas dans l'amour d'un petit enfant de 4 ans. Un enfant, il est dans l'amour et il est dans la pureté de l'âme. Il ne sait pas ce que c'est que le capitalisme. Donc, il faut pouvoir dompter son ego. Alors, ego et foi, ben, je ne vous apprends rien. Si je rappelle la petite histoire, comment est né l'ego, je raconte comment est né l'ego. On va remonter rapidement chez Adam et Ève. Je fais une petite parenthèse historique. Alors, vous m'excusez s'il y a des spécialistes de l'histoire ou des religions, mais je vais faire un résumé rapide. Donc, il y avait quand même Adam et Ève, je pense, au paradis. Et bon, ils ont été un petit peu tentés. Ils se sont laissés aller sur une pomme. C'était assez simple et assez con à la fois, parce qu'ils étaient au paradis. Ils ont été tentés par, appelez-le comme vous voulez, le serpent, le diable, mais on va dire qu'ils ont été tentés par leur ego. On leur a dit de ne pas toucher cette pomme, ils l'ont quand même touchée. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce Lucifer, ce diable, qui dit, ben moi, je demande au Seigneur des mondes de me laisser sur terre parce que je veux égarer la race humaine. Donc, ça ne veut dire pas égarer, mais ça veut dire, en fait, lui susurrer des choses à l'oreille. D'accord? Puisqu'à la base, l'être humain, il a été créé avec quoi? Avec la voix de la vie, la voix divine. Donc, c'était son âme. Et le diable, il a dit, non, 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 moi, je ne vais pas vous laisser tout seul et je vais rester. Donc, finalement, c'est quoi le rapport entre l'ego et la foi? Ben, le combat, la mission de la foi, c'est de combattre cet ego. Et c'est ce qu'on appelle le djihad de l'âme en français et ce qu'on appelle en arabe djihad nus. Donc, c'est ce pourquoi vous êtes sur cette terre, pour ceux qui ne sauraient pas encore. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, voilà votre mission. Et ça, c'est sûr que vous aurez une place en VIP quelque part, si vous vous occupez de ça. Parce que votre ennemi juré sur cette planète, c'est votre ego. Depuis que vous êtes né jusqu'à votre mort. À chaque fois, c'est l'ego qui est là et qui vous fait faire qui vous fait prendre les mauvaises décisions, qui vous fait avoir des regrets, la tristesse, la honte, la frustration. Donc oui, c'est complètement lié, c'est le djihad nefs. De toute façon, si vous arrivez à comprendre que le développement personnel, c'est combattre son ego, eh ben, vous avez tout gagné dans vos formations de développement personnel parce que vous êtes en train de devenir un meilleur croyant ou en tout cas, vous êtes en train de travailler votre foi. Et la foi, ce n'est pas nécessairement pour les croyants parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont athées, d'accord, et qui ont découvert ce monde, qui ont découvert le monde de la loi d'attraction, qui n'avait pas de hasard, qui avaient une certaine coïncidence sur cette terre et qui ont commencé à avoir la foi. Et là, on ne parle pas de foi en un livre. On parle de foi, ça veut dire croire que le bon peut arriver. C'est aussi ça la foi, c'est avoir confiance. Ensuite, le perfectionnisme, ça c'est complètement l'ego, parce que c'est lui qui nous reporte, qui nous pousse à reporter. Et d'ailleurs, par rapport à une discussion que j'avais eue avec vous, monsieur Rossi, quand on procrastine, c'est parce qu'on veut être perfectionniste. Et le perfectionnisme vient de l'ego. C'est que je n'accepte pas que mon texte est mal écrit, je n'accepte pas avoir une seule erreur, je n'accepte pas qu'il y ait une tâche, je n'accepte pas que je n'ai pas fait aussi bien que les autres. Et donc, comme je n'accepte pas, acceptation, comme je n'accepte pas, je reporte. Alors là, l'exercice que je vais vous donner, il est très simple. Vous écrivez un courrier, vous faites un travail, un rapport, et si vous trouvez des fautes, même sur votre, sur votre carte visite ou pas, offrez-vous le plaisir, d'accepter ces erreurs et de vous dire, le prix de mes cartes visite avec l'erreur, c'est le prix de ma formation. Voilà. Si j'ai payé 310 rames, 30 euros mes cartes visite, en fait, je m'entraîne à accepter l'erreur parce que c'est un entraînement aussi. Et ça, c'est chez les gens ambitieux, en fait. Le problème, c'est que tous les gens qui sont là ce soir, en fait, tout le monde a les mêmes problèmes. Donc, c'est un petit peu
Les perfectionnistes anonymes. Donc, on a tous le même problème. Parce qu'on aime quelque chose, on veut bien le faire. Et c'est ce qui fait que vous allez un jour vous rendre compte que vous avez reporté pendant 3-4 ans. 5 ans, 10 ans. Parce qu'en fait, vous avez voulu bien faire. Donc, le perfectionnisme, c'est complètement l'ego. Ce qu'il faut, c'est aller vers l'excellence. C'est pour ça qu'on a parlé des 12 principes de l'excellence. L'excellence, c'est accepter d'améliorer. Aujourd'hui, je vois que ma vidéo, il y a une tache dessus où il y a, je ne sais pas, on voit un mur ou un truc comme ça. OK, j'accepte, je la diffuse et la prochaine fois, je ferai attention. Mais il y a 10 ans, j'aurais dit non, je suis désolée, je l'efface, on la recommence, mal de tête, vertige, hernie discale, enfin la totale chez certains. Et finalement, on se bloque. Donc, entraînez-vous à accepter les tâches. C'est pour ça que je vous avais dit, on va faire une soirée anti-ego, on va s'entraîner à faire des tâches et vivre avec. Parce que ça commence par là. Hein. Donc, vous pouvez vous entraîner chez vous à la maison avec des petites choses, toutes simples, qui normalement vous dérangent. Entraînez-vous à les laisser. C'est très basique. Hein, pour quelqu'un, c'est une couverture pas pliée, c'est un lit pas fait. Entraînez-vous. Voyez, par exemple, pour le lit, je vais vous donner un exemple simple parce qu'il y a des gens qui vont me dire, mais un leader, il fait son lit. Ouais. Mais si j'ai besoin, moi, maintenant, de m'entraîner sur mon problème de perfectionnisme, je vais m'entraîner pendant 15 jours à ne pas faire mon lit et à accepter de le voir pas fait. Quand c'est fait, quand je n'ai plus mal, quand je suis plus énervée, quand j'ai accepté qu'il soit fait ou pas fait, je peux me sentir bien, je me remets à le faire. Donc, vous devez comprendre que c'est toujours des process. D'accord ? J'ai l'habitude de corriger mon document Word 10 fois, je vais me promettre de ne le faire que 3 fois. C'est vraiment des process. Et puis, on revient. La peur, l'ego, c'est par période. Et ensuite, la dernière question, est-ce que l'ego peut aller avec les valeurs ? Alors, ça dépend encore une fois qu'est-ce que c'est que les valeurs. Mais si vous prenez des gens qui ont des valeurs, si on parle de générosité, d'aide, encore une fois, il faut purifier votre intention. Donc, pourquoi vous voulez aider ? Voilà. Quand on fait des actions caritatives, moi, je me rappelle un petit peu de ce qui se passait au Maroc, on peut très vite identifier ceux qui l'ont fait par ego, parce qu'ils sont là pour distribuer des repas pendant le Ramadan. Ils ont fait des photos, ils ont fait des lives sur Facebook. Et puis, dès qu'on distribue, ils sont partis. Donc, pour nettoyer, il n'y a personne. Là, c'est l'ego. Les photos sont passées, tout le monde sait qu'ils ont distribué et puis ils sont partis. Mais on va dire la mauvaise partie du travail, ils ne sont pas là. Vouloir absolument se montrer sur les photos, c'est l'ego. Je suis sur la photo, tant mieux, je ne suis pas, ce n'est pas grave. Ça ne change rien. Là, ce n'est pas l'ego. Donc ça, c'est un test assez sympathique. On passe à une autre série de questions. Oui. Ok, je regarde sur Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a une question de Patrick. Y aura-t-il une relation entre intelligence émotionnelle et ego? Quel lien? Il y a Aziz Lotfi qui demande lire des livres de développement personnel. Est-ce que c'est intéressant? Est-il aussi intéressant que d'assister à des formations de coaching, sachant que la conviction de changer existe pour moi? Ça, alors, deuxième question. Alors, peut-on, ça c'est de Farah, il dit, peut-on mesurer notre degré d'ego pour savoir si on avance sur la bonne voie? Une autre question de Lemia. Alors, en quoi, je crois que là, tu as déjà répondu à ça, hein, en quoi traiter son ego peut avoir un rôle dans la réussite de son business? Je passe à une autre question. Alors, voilà. Est-ce que la constellation familiale peut guérir l'ego? Voilà, j'ai terminé la question là. Ok, alors, il y a ça à quel je n'ai pas répondu et ça. Alors, au niveau de l'intelligence émotionnelle,
On va se mettre d'abord d'accord sur la définition. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, on va partir sur un truc très basique, c'est développer votre intuition. C'est ça l'intelligence émotionnelle et la gestion des émotions. Alors là, c'est complètement lié à l'ego, puisque développer son intelligence émotionnelle, c'est développer son intuition et donc c'est dompter son ego. Donc là, on est complètement dedans. D'accord ? Donc, c'est toujours sur les deux, je ne sais pas, ça ne se fait pas souvent et moi, je ne suis pas convaincue que ça puisse fonctionner quand on s'occupe d'une chose. Donc, il faut apprendre à dompter l'ego et s'entraîner à voir si mon intuition est la bonne ou pas, quand elle me dit de faire quelque chose ou pas. Donc, il y a les deux. Donc, ça, c'est complètement lié. Et donc, ce qui est garanti à 100%, c'est que si vous apprenez à dompter votre ego, votre intuition va se développer. Si votre intuition va se développer, vous allez avancer comme un cheval dans votre business. Parce que vous vous levez le matin, vous prenez votre 10 minutes avec votre café ou plus, vous vous posez les bonnes questions et les réponses, elles arrivent. Elles arrivent dans votre tête. Vous n'êtes plus pollué, d'accord ? Vous n'êtes plus pollué par l'ego des autres, de votre histoire, comme j'expliquais tout à l'heure. D'accord ? Donc, c'est complètement lié. Ensuite, est-ce que lire, c'est suffisant ou les formations ? Moi, j'ai envie de vous dire, on est des passionnés du savoir et on est des passionnés de la formation. Faire les deux, c'est bien. Lire au lieu de regarder un bête film, c'est bien. Lire au lieu d'aller au café, c'est bien. On est d'accord. Maintenant, le piège, et c'est vraiment ça peut-être moi ma mission, c'est de vous éviter de perdre votre temps dans des formations, des séminaires qui n'ont ni queue ni tête pour vous à ce moment-là, maintenant. Maintenant. Ce que moi, j'aime faire, c'est venir conseiller à la personne en lui disant « Maintenant, c'est quoi ton problème ?» Maintenant, qu'est-ce que tu dois traiter? Pourquoi tu perds ton temps dans une formation sur l'indépendance financière? Ce n'est pas le moment. Perds pas ton temps et ton argent et tu te pollues l'esprit. Ton besoin du moment, traite-le et dégage-le. Excusez-moi le terme, mais dégage-le de la route. Et là, tu es en train d'avancer. Mais faire des formations sur l'indépendance financière, sur les Excel et les PowerPoint, alors que vous ne parlez plus à votre mère depuis 10 ans, je pense qu'il y a quelques priorités à revoir. D'accord ? Et c'est là où moi, vraiment, je dis qu'il faut faire la différence, c'est les priorités. Donc, commencez par faire vos priorités. Vous pouvez trouver, par exemple, il y a sur ma chaîne YouTube, une vidéo qui s'appelle « Le pouvoir des listes ». Ça, pour moi, c'est sûr et certain que c'est le début de tout. Il faut d'abord tout lister pour voir un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire et quelle est la priorité, quel est le premier besoin au final. D'accord ? Vous êtes en procès judiciaire, vous ne parlez pas à votre frère depuis 15 ans, vous devez déménager, un gros truc qui vous pèse, il faut commencer par là. Il faut dégager les décombres. D'accord ? Et ensuite, lire, vous pouvez lire, ok ? Mais je vous conseillerais quand même, vous pouvez venir sur le WhatsApp, sur l'Instagram et me poser la question, c'est de voir elle est où la priorité. Et je peux vous aider très vite à détecter votre priorité pour vous dire, voilà, maintenant, on va dans ce sens. J'ai des bouquins que je n'ai pas encore lus. Je les ai achetés par plaisir, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est vraiment pas le moment de les lire. Je ne suis pas à ce besoin-là du moment, maintenant. Donc, je préfère pour vous que vous vous reposez et ne faites rien plutôt que d'aller lire quelque chose sur l'histoire anthropologique de l'Égypte ancienne. Pas maintenant. Ça m'intéresse de savoir comment ils ont construit les pyramides. Je crève d'envie de savoir, mais pas maintenant. Alors, comment déterminer notre degré d'ego? Mais j'ai envie de dire que c'est un petit peu proportionnel à votre degré de blocage. D'accord? En fait, l'ego, c'est un petit peu ce qui vous bloque sur les rails de train. Donc, si vous voyez que vous roulez, tout ce que vous faites, ça marche. Vous voyez que là où vous mettez les mains, ça fonctionne. C'est que c'est bon. Déjà, vous êtes en train d'évoluer. Mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout du degré de votre ego. Le plus important, c'est d'identifier les trois comportements du triangle Cartman et vous entraîner pour à chaque fois les voir à 100 km, dire « Ouh là là, là, je suis en train de faire le sauveur. Là, je suis en train de jouer à la victime. » Ça, c'est pas bon. Et le meilleur exercice, c'est de faire un petit debriefing avec vous-même de la journée qui vient de passer. Ça, c'est le meilleur. Donc, tous les grands leaders ont un carnet et ils font une petite remise en question de la journée. Qu'est-ce qui a été productif? Qu'est-ce qui a été non productif?
quelle a été la mauvaise émotion que j'ai ressentie aujourd'hui, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire. Le soir à 18h, quand vous êtes au bureau, tout le monde est parti, vous êtes posé et vous devenez vous-même le professeur de vous-même de la journée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il y a Leïla qui a posé. Il y a Leïla, l'exécutante, la journée, 8h30, 20h. Et puis, il y a Leïla le soir. C'est celle, la stratège, celle qui se donne des ordres, celle qui se dit, demain, je devrais faire ça. Ah non, mais hier, j'ai déconné. Demain, c'est celle qui commence à se remettre en question. Votre degré n'est pas très important puisque de toute façon, vous avez un ego et l'objectif, c'est de dompter. Donc, où que vous soyez, voilà. Je dirais plutôt, hier, j'étais à 9 réactions d'ego, aujourd'hui, je suis à 7. Mon objectif, c'est demain d'être à 5. Ça, oui. Donc, c'est de descendre jusqu'à ce que… hier, j'ai eu qu'une seule réaction d'ego. Je suis contente. Jusqu'à ce que j'arrive à 0. Ensuite, l'ego, est-ce qu'il est lié à la réussite? Oui. Si vous faites votre projet pour montrer qui vous êtes et de quoi vous êtes capable, eh bien, ça ne portera pas ses fruits. Ça va beaucoup, beaucoup bloquer. Mais si vous mettez votre ego, c'est-à-dire votre compétence, vos capacités, tout ce que vous avez dans les tripes pour mettre un projet à la disposition des gens, alors là, ça va marcher. Et en fait, pourquoi il faut dompter son ego? Parce qu'il y a un petit peu les synchronicités. On fera une séance sur le hasard. Il n'y a pas de hasard. Et quand vous travaillez votre ego, vous débloquez en fait ces chaînes sur cette rail de tram. Et une fois que vous êtes avec votre intuition, en fait, vous roulez. Et donc, la vie, elle vous fait aller sur les bonnes routes. Et c'est ça, en fait, l'ego bloque. L'ego, il a peur et donc il bloque pour vérifier à chaque fois si ça va ou si ça ne va pas. Et le Fabadi, je ne sais pas ce qui te fait rire, c'est peut-être le train. Donc voilà, j'ai répondu aux 4 questions. Ah, et la constellation familiale. Alors moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas la priorité, la constellation familiale. Parce que il faut déjà gérer votre ego, identifier l'ego de vos parents et de votre famille, vos frères et sœurs, vos tantes, vos oncles, c'est déjà pas mal. Et ensuite, quand vous êtes arrivé à un certain niveau, comme j'avais dit, de musculation, vous êtes capable d'encaisser, je vais aller chercher l'ego de ma grand-mère, de mon grand-père et tout ça. Mais vous pouvez le faire. Mais j'ai peur que vous tombiez dans le piège de la victime et de vous dire, oh ben, je vais aller faire une constellation familiale. J'ai réglé l'ego de mes grands-parents, c'est bon, j'ai fini. Donc, j'ai juste peur de ça, que vous tombiez dans ce truc, il y a quelqu'un qui va me résoudre mon problème d'ego. Non, prenez votre stylo et votre feuille, commencez, c'est pas grave, Abadi, hein, tu nous as fait rire. Donc, commencez peut-être par traiter votre ego en faisant l'exercice vous-même. Déjà par identifier le vôtre. Parce que de toute façon, traiter l'ego de vos arrière-grands-parents ou des autres générations, c'est quand même, ça va se faire, je crois, ils le font par l'inconscient. Donc, c'est en plus, quoi. Ça ne va pas vous aider au quotidien, hein, d'accord? Vous allez tomber dans le piège de la victime. C'est comme celui qui va dire, « Ouais, mais moi, si je suis méchante, c'est pas moi, c'est mon ego, ou bien on m'a fait de la magie, ou bien les gens me jalousent. » Voilà, on va toujours remettre ça sur quelqu'un d'autre et on ne va pas s'en sortir. Et je suis désolée, hein, mais si vous ne prenez pas… Souvent, il va croire que j'ai des actions dans les feuilles de papier. Mais si vous ne prenez pas une feuille de papier et un stylo, moi, je suis convaincue qu'il ne se passera rien. Convaincue. On va faire un test, on va faire une séance peut-être sur les 12 que sur pourquoi écrire. Mais si ça ne sort pas de vos mains, allez voir un hypnothérapeute, allez voir un psychothérapeute, OK. Mais ça ne sera jamais votre prise en charge. Parce que quand je parle d'un carnet, c'est mon carnet et je note dedans tous les matins ou tous les soirs. Ce que je veux pas, ce que j'aime pas. Ça me prend 5 minutes. Ça prend 5 minutes de se rappeler un peu qui on est. Mais si vous ne le faites pas vous-même, vous n'allez pas payer des psychothérapeutes toute votre vie. Et c'est aussi ça mon objectif, c'est de vous montrer que vous n'avez pas besoin des gens à vie. Prenez un exercice, faites-le. Vous voulez payer quelqu'un qui soit tout le temps à côté de vous? OK. OK. Mais comme ce n'est pas votre métier d'être formateur, ça ne sert à rien. Moi, j'ai envie de dire à la limite des gens comme moi, on est dans la formation. Pour moi, quand je me paye une formation ou un séminaire, c'est d'une pierre 10 coups. C'est pour moi, c'est pour mon métier, c'est pour mes enfants, voilà. Ce n'est pas grave.
Mais vous, pourquoi vous allez à chaque fois payer des choses et de toute façon, vous ne les pratiquez pas? Et c'est ce que je vous donne dans ces vidéos. Je peux vous assurer que c'est l'essence de formations qui coûtent très, très cher et qui font l'effet de bing-bang dans sa vie. Donc, chacune des sessions que j'ai fait jusqu'ici peut faire sérieusement un séminaire d'une journée sans problème. L'ego, on peut le traiter sur 3 jours. Donc, ce n'est pas anodin. Donc, voilà. Donc, ne prenez pas n'importe quelle formation pour l'instant. N'allez pas vous jeter dans n'importe quelle lecture. Mettez un peu de l'ordre dans votre tête d'abord. S'il y a des questions sur Insta, parce que je ne vois pas tous les messages, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai déjà répondu à certaines. Il y a une question de Madame Hefti. Alors, elle pose l'ego et la personnalité. Alors, on revient sur la question de la dernière fois. Notre personnalité a été structurée par des traits de personnalité de notre famille. Donc, notre personnalité aujourd'hui, à l'état d'aujourd'hui, sans avoir fait le travail, c'est des morceaux de tout le monde. D'ailleurs, j'ai pris un peu de ma mère, un peu de mon père. Ça, je suis comme mon frère. Tiens, ça, tu ressembles vraiment à ta grand-mère. Ah, sur ce point-là, on dirait ton grand-père. Je suis un panaché de 4-5 personnes. C'est ma personnalité aujourd'hui. On me fait croire que c'est moi. Ben, c'est pas moi. C'est un mix. Maintenant, ce que je dois identifier, et ça, c'est la première chose qu'on doit faire, surtout dans notre culture, c'est d'essayer de faire un pas en arrière et de dire quelles sont les qualités qu'il y a chez mes grands-parents, que je connais s'ils sont vivants. Quelles sont les qualités que j'aime chez eux et que j'ai. Ensuite, quelles sont les qualités ou les défauts qu'ils ont et que je n'aimerais pas avoir. C'est les identifier. Chez ma maman, quelles sont les qualités bonnes, quels sont les défauts que je n'aimerais pas avoir. Ou qualité, hein, aider tout le monde, c'est une qualité, mais final, c'est un défaut. Donc, qu'est-ce que j'identifie chez elle que j'aimerais pas avoir? Ensuite, chez mon père, pareil. Si vous prenez vos 2 parents, vos 4 grands-parents, même 2 s'ils sont pas tous vivants, ça nous fait 4 personnes. Prenez 2 défauts par personne, ça vous fait 8. Je pense qu'il y a du boulot. Et déjà, de les identifier, step 1. Step 2, faire attention. Quand est-ce que je réagis comme mon père? À quel moment je fais ça comme ma mère? À quel moment je fais ça comme mon grand-père? Ben, vous avez déjà un boulot, là. Vous avez un exercice à $1 million pour 21 jours. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, excellente formation, vraiment, à l'heure, ton discours me rappelle le bouquin du pouvoir du moment présent. Exactement. Ce bouquin est très, très bien, ouais, le pouvoir du moment présent. Bah dans le pouvoir du moment présent, moi, j'ai retenu une seule phrase. Et c'est aussi ça, un petit peu l'ego, c'est de ne pas chercher à être gagnant dans tout ce que vous faites. Donc, dans chaque bouquin, je retiens une phrase et je me dis, ben, j'en suis sortie gagnante. Et dans le pouvoir du moment présent, il y a une seule image qui m'a marquée, parce que je l'ai lue il y a 8 ans. C'était le fait de se dire, quand tu es sur une route avec du brouillard, tu n'as pas besoin de voir à 1 kilomètre. Si tu vois les 10 premiers mètres, tu peux avancer. Et ça a débloqué beaucoup de choses au niveau du contrôle. Donc, j'ai compris qu'il fallait plus que je cherche à contrôler 3 ans en avant ou 10 ans ou ma famille ou mes gosses ou l'argent de l'université, non. Si j'ai une petite visibilité, ben, j'ai de quoi avancer. Donc, ça permet en fait de lâcher un peu le contrôle. C'est une façon comme une autre. Hein. Notre contrôle, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Oh, il faut le chercher. Merci Asma. Merci beaucoup. Merci beaucoup Asma pour la référence. Il y a aussi Bouchra Saoud qui donne une référence Terre Nouvelle de Eckhart Tolle, du même écrivain. Ouais. Terre exact. Nouvelle. Ouais, c'est Eckhart Tolle. Alors ici, j'ai une autre question. Comment l'ego ne peut ne pas nous influencer en relation de couple. Alors là, mademoiselle, ben justement, c'est ça la grosse catastrophe, c'est que dans le mariage, ben comme dans le travail, on arrive avec l'ego de papa, maman, les oncles, les tantes et les grands-parents, et on arrive avec tout cet ego bien constitué, et on arrive dans le couple.
Donc, déjà, je te préviens, tu ne vas pas m'arnaquer. Je te préviens, moi, je ne me fais pas laisser faire. Enfin, on arrive avec toutes ces craintes et ces peurs. Donc, j'ai envie de vous dire, en fait, bah, il faut travailler sur toutes ces peurs. Toutes les peurs qu'on vous a inculquées, il va falloir les faire sauter pour que ça marche. Comme avec le patron, comme avec le conjoint. Parce que malheureusement, dans les histoires de couple, ben, on entend toujours, faut pas faire confiance aux hommes, faut pas faire confiance aux femmes. Et puis on te dit, mais marie-toi, ça va aller. Mais ça fait 20 ans que vous dites qu'il faut faire confiance à personne. Je fais comment maintenant? Donc, c'est ça l'incohérence. D'accord? L'incohérence, c'est qu'on nous a répété des phrases toute une vie, et puis on nous demande de faire le contraire. Donc, toute ta vie, on te dit de te marier, de ne pas faire confiance, et puis quand tu te maries, du jour au lendemain, fais-lui confiance. Toute ta vie, on te dit méfie-toi des collègues, et puis quand tu vas au travail, on dit j'espère que ça se passe bien avec les collègues. Non, vous m'avez répété toute ma vie qu'ils allaient m'arnaquer, ils me volaient ma place. C'est dans mon inconscient, maintenant j'ai peur, je ne m'en rends même pas compte. C'est pour ça qu'il faut le désinstaller, on ne se rend pas compte. Asseyez-vous une demi-heure avec votre famille, écoutez. Écoutez les croyances limitantes. C'est toujours les mêmes qui tournent. Ah, voilà, vous avez bien programmé votre subconscient depuis 25 ans. Donc, le couple, ouais, c'est une grosse catastrophe. Parce qu'on arrive avec toutes ces flèches prêtes à tirer. Et puis on se demande pourquoi c'est l'autre qui a tiré le premier. Donc voilà quoi, l'ego. On a répondu à toutes les questions. À Donc toutes la les questions. réussite. Pardon? À toutes les questions qu'il y avait. Là, je viens de recevoir une autre. Ouais, je vais rallumer sur Instagram, ça va couper. D'accord. Dans 13 secondes. Oui, monsieur Rossi? Oui, je suis là. Donc, je disais qu'on a répondu à toutes les questions. De toute façon, vous avez répondu à toutes les questions. Et je viens de recevoir une autre sur Facebook, alors de Fida Nori. L'angoisse et la peur ne nous laissent pas libres avec l'ego qui bloque. Quelle est la priorité entre ces trois? Mais en fait, ce sont des couches. Alors, il faut comprendre que ce sont des couches. Donc, on va dire que je vais aller à l'envers. On était petits, on nous a installés, enfin, on nous a installés, on nous a diffusé les gens, nos parents, je parle des parents, ça peut être l'école aussi. Ils nous ont diffusé, eux, leur propre colère, frustration. Donc, les émotions de base, les émotions basiques, colère, frustration, honte, tristesse. C'est rentré en nous, d'accord? Mais nous, aujourd'hui, on ne dit pas je suis en colère, on dit juste j'ai peur. Donc tout ça, c'est rentré dans la peur. OK? Je sais plus, c'était quoi la question? Attends, je dois la retrouver. Oh, c'était quoi? L'angoisse et la peur. Ah ouais. L'angoisse, c'est la Pardon, peur, ouais. voilà. Elle ne nous laisse pas OK. libres avec l'ego. L'angoisse et la peur. Bah, je pense, moi, comment je l'interprète, c'est que c'est comme peut-être là l'outil de l'ego, ça passe à travers l'angoisse et la peur, ce qui ne nous laisse pas libres. Et comment définir la priorité entre ces trois? Mais en fait, j'ai envie de dire, et c'est ça la bonne nouvelle dans cette grande mauvaise nouvelle, c'est que traiter un, c'est tous les traiter. En fait, on a installé chez nous des peurs, des émotions négatives, colère, tristesse. Honte, frustration, c'est devenu une peur. Aujourd'hui, quand j'ai peur de me lancer dans quelque chose, qu'est-ce que je me dis? J'ai peur, j'angoisse. L'angoisse, c'est la peur. En fait, la peur s'exprime par une angoisse. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est de la colère, de la rage, de la frustration, de la tristesse. Donc, en fait, c'est trois étages. Mon angoisse dans mon ventre aujourd'hui, c'est parce que j'ai peur de passer à l'action. Pourquoi j'ai peur de passer à l'action? Parce que mes parents ou mes professeurs m'ont diffusé leur colère, frustration et tristesse. Donc, je dois plus m'inquiéter de mes angoisses. Moi, je vous donne un travail de fond. Ne perdons pas de temps avec l'angoisse, comment gérer le stress. Ça reste la surface. Comment gérer la peur, c'est très bien. Eh bien, on va aller dans les émotions négatives. Quand est-ce que j'ai ressenti de la colère, de la tristesse, de la frustration, de la honte? D'accord? Et ça, si je les enlève, les graies, ben, j'aurai plus de peur. Si j'ai plus de peur,
ben, j'ai plus d'angoisse et plus de peur au ventre, mal au ventre. L'angoisse, c'est une boule dans la poitrine, une boule dans l'estomac, dans le ventre, ou une hernie discale, ou des migraines. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous dites « j'angoisse ». En fait, c'est parce qu'on n'utilise pas les bons mots, c'est tout. Mais l'angoisse, c'est une peur qui vient des colères, honte, frustration et tristesse. Hello à tous sur Insta. Donc, en fait, c'est traiter vos émotions primaires qui va tout régler. Vraiment, c'est ça qui va tout régler parce que c'est ça qui crée votre ego, qui nourrit vos peurs et qui provoque des angoisses physiques. Parce qu'au final, les angoisses, elles sont physiques. Parce qu'on ne sait pas, n'oubliez pas que c'est un vocabulaire nouveau. On ne connaissait pas. Je ne disais pas quand j'étais petite, j'éprouve une colère qui doit venir de ma mère. Non, c'est j'ai mal au ventre. Je ne sais pas pourquoi j'ai mal au ventre. C'est comme si vous me disiez, madame, j'ai des douleurs au ventre depuis 10 ans. Ben, ce n'est pas mal au ventre, c'est une peur qui cache la colère de ton père, par exemple. Voilà, là, on est déjà en train de faire de la chirurgie. Donc, l'angoisse, c'est la partie visible. La boîte, c'est l'ego. Il y a une peur. Quand on ouvre la peur, on trouve la colère, la tristesse, la frustration. C'est clair? Yes, c'est clair. On prend peut-être une dernière question sur Facebook de la Tefagette. Alors, elle dit comment on peut déprogrammer une croyance limitante. Alors, déprogrammer une croyance limitante, déjà, c'est très, très important, c'est l'identifier. D'accord? Identifier la croyance limitante, déjà le savoir. D'accord? Oui, en général, quand on s'associe, on se casse la figure. Ok, qui l'a dit? Qui t'a dit ça? Dans 95% des cas, tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais associé. Et qui répète quelque chose qu'il a entendu. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir faire sauter des croyances limitantes très rapidement. Parce que c'est rarement des sommités ou des références qui t'ont installé des croyances limitantes. Hein. Comme dans l'exemple que je vous ai dit l'autre jour, ce n'est jamais des papillons hein, qui vont diront que c'est dangereux d'être un papillon. Donc, déjà l'identifier. Oui, en général, quand on fait ça, on se casse la figure. OK. Qui t'a dit que quand on faisait ça, en général, on se casse la figure? Donc, ne posez pas la question à la personne parce que vous allez la vexer. Posez-vous la question. Donc, mon cousin qui est ouvrier et qui n'a jamais ouvert d'entreprise me dit qu'en général, quand on ouvre une entreprise dans le domaine des chemises, ça ne marche pas. D'accord. Alors, est-ce qu'il a créé une entreprise? Non. Est-ce que lui est sorti du salariat? Non. Est-ce qu'il s'y connaît dans le monde de la chemise pour hommes? Je dis n'importe quoi. Non. D'accord? Donc, d'où vient cette croyance? Ben, vous avez la preuve qu'il vous a juste apporté une poubelle qu'il a trouvée quelque part. Donc, elle vient de nulle part. Donc là, c'est bon, on peut la faire sauter. Parce qu'en général, vous ne demandez jamais des conseils à des gens qui sont mieux que vous. Ça, c'est aussi magique chez moi. On va demander à un boucher comment se lancer dans un business en ligne. Et puis, il nous dit que ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas étonnant. On va chercher des réponses chez des gens qui ne se sont jamais posé la question. C'est nous. C'est vraiment nous le fond du problème. Hein. OK? Et donc, ça, c'est la croyance limitante de quelqu'un qui n'est pas une référence. Maintenant, quelqu'un que vous respectez. Votre père, votre mère, je prends les exemples directement qui bloquent chez tout le monde, le papa, la maman, le grand frère, le mari, les gens qu'on est censé respecter et qu'on doit écouter les conseils. Donc là, on est déjà en bataille entre je dois le respecter, suivre ses conseils et je vais dire qu'il dit n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? Ben, je me dis, cette croyance limitante, c'est une phrase. Voyez-la toujours comme un transport. Il transporte un sac. Un sac poubelle, parce que les croyances limitantes, c'est que de la poubelle. Alors, d'où elle vient cette poubelle? Est-ce que c'est la sienne? D'accord? Si ce n'est pas la sienne, on refait le même schéma que là tout à l'heure, ça vient de quelqu'un d'autre, donc aucune valeur. Si ça vient de lui, et avec tout le respect que j'ai pour lui, il a mené plusieurs expériences, il s'est cassé la figure,
OK? Ben, ça reste son expérience. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué dans la deuxième rencontre sur les peurs. Quand j'ai peur, c'est parce que je n'ose pas faire quelque chose demain. Donc, j'ai peur aujourd'hui parce que je n'ose pas faire quelque chose demain parce que quelqu'un a eu une mauvaise expérience hier. Donc, mathématiquement, ça n'a pas de sens. Et en fait, au lieu de vous dire « Allez, arrête de croire, ça va aller », comme je vous dis, ça ne va pas aller, je vous dis que ça n'ira jamais tout seul, c'est de décomposer la formule mathématique. S'associer avec quelqu'un, en général, ça ne marche pas. OK, on prend cette phrase et on la décompose. Est-ce que toi, tu t'es associé avec quelqu'un? Non. Voilà. La phrase, elle tombe à l'eau. Donc, tu me parles de quoi? De l'expérience d'un ami à ton cousin. OK. Donc, c'est mort. Si c'est ton expérience à toi, ben, ça reste ta vie. Et puis, comme toi, tu as ton expérience, ben, ce n'est pas la mienne. Et comment vous allez pouvoir aussi vous convaincre que ce n'est pas votre croyance, c'est que vous travaillez sur votre ego. Travaillez sur votre croyance que pour vous, ça va marcher. Et c'est ce qui fait la différence entre deux personnes. Vous savez, un jour, il y a un Coréen qui m'a dit, au Maroc, qui m'a dit, vous savez, c'est quoi la différence entre deux boutiques, l'une en face de l'autre, qui vendent le même produit? Exactement le même produit, ils ont ça en Corée. Du produit paramédical, le même produit l'une en face de l'autre. Il me dit, ben, c'est tout à fait la croyance, la confiance et le leadership du chef d'entreprise. C'est la seule chose qui fait la différence. Ils sont dans la même rue, ils vendent le même produit. Donc, c'est à vous de dire stop. Cette croyance, moi, j'en veux pas, c'est la tienne. D'accord? Et vous pouvez identifier Mademoiselle Nawel, je pense qu'elle a posé la question. Vous pouvez très rapidement identifier ces gens-là. Nous, nous aussi, à l'époque, hein, à une certaine époque, c'est en général. Même si les gens qui sont là ce soir n'étaient pas des personnes comme ça parce que vous êtes ambitieux par nature. Mais le « ouais, mais en général ». Oui, mais, t'es folle, c'est risqué, c'est dangereux, c'est pas sûr. D'accord? Et en général. Alors, en général, les gens se cassent la figure et sur la planète, il n'y a que 5% qui réussissent. Alors oui, en général, les gens se cassent la figure. La question, c'est est-ce que vous voulez faire partie des 5%? Donc, n'oubliez jamais ce pourcentage. Dans chaque groupe, 5% fait la différence. Ben, vous regardez dans une famille de 10, il n'y en a pas plus que 2 qui auront fait l'UNIF ou qui auront un beau parcours. Et quand on est 5, ben, il y en a 1. Et s'il y en a 2, ben, ils ont de la chance. Donc, il y a toujours le 5%. Dans une famille de 10 frères et sœurs, il y en a toujours 2 qui s'entendent bien et les 8, ça a explosé. J'invente rien, c'est comme ça dans toutes les familles. Et alors là, les gens, ils vous disent, monsieur Rossi, mais comment vous savez ça? Mais parce que ce sont des statistiques, c'est la même chose partout. Donc, la femme, je vais vous dire une chose aussi, hein. Là, je vais réveiller des consciences, mais la femme, elle fait souvent, elle est confrontée à l'ego de son mari. D'accord? Ou parfois même de ses frères. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont souvent lui dire, ouais, mais en général, tu sais, dans ton business, ça marche pas. C'est soi-disant de l'amour ou de la protection, soi-disant, ce qu'on a longtemps cru, et en fait, non, c'était de la manipulation. Parce que c'est, je veux pas que tu réussisses, je veux pas que tu t'en sors, j'ai peur que tu sois mieux que moi, j'ai peur que tu y arrives. Et donc ça, ben, il y a beaucoup de femmes ou d'hommes, dans les deux sens, qui ne s'en rendent pas compte et qui croient que c'est de la protection. Et donc, ils confondent même leur conjoint avec leur mental. Ah ouais, en fait, elle s'inquiète pour moi. Non, elle s'inquiète pas pour toi. Elle veut juste pas que tu t'en sortes ou que tu partes trop loin. C'est un peu aussi comme les parents. Donc, c'est déguisé par de l'amour. Maintenant, le conjoint, on ne sait jamais si c'est très pur. D'accord? Bien que, je sais que c'est grave, mais il y a des parents qui sont aussi jaloux de leur enfant. Évidemment, ben, ça vous prend 20 ans pour vous en rendre compte. Donc, ça arrive aussi. C'est pour ça que si vous apprenez à identifier votre ego, vous allez développer votre intuition, et vous allez très vite savoir qui vous veut du bien ou pas. Après, je ne dis pas que c'est 100% garanti. Mais en tout cas, ça va faire sauter pas mal. Il n'y aura plus grand monde après le déconfinement de ce aussi. Vous savez qu'il y a un monsieur, qu'est-ce qu'il a dit la dernière fois sur les remarques Facebook?
Il a dit, vous ne l'avez pas lu, il a dit, oui, mais si on fait ce que vous dites, en ne choisissant que les cinq bonnes personnes, on va se retrouver seul, il n'y aura plus personne. Ben, c'est le risque à prendre, en fait. Allô? Oui, on est là, on est là. De toute façon, je crois, on va. Qu'il ne faut pas battre l'ego, mais juste être conscient et identifié. Oui, merci Bouchra, il ne faut pas battre l'ego, de toute façon, il ne faut pas le combattre, l'identifier et faire connaissance avec lui et l'apprivoiser. Voyez-le comme un tigre qu'il faut pouvoir remettre dans sa cage. Il restera là de toute façon à vie, hein. C'est l'histoire du monde jusqu'à ce que Adam et Ève retournent au paradis. Et puis la Il y a le boucle sera commentaire. bouclée. Il y a le commentaire de Hicham avant celui de Bouchra qui dit: l'ego est donc un ennemi qu'il faut battre pour renouer avec sa version initiale. L'enfant dépourvu de tous ses amas qui sclérose, nous inhibe, il nous entrave à progresser. Ben, il ne faut pas dire battre, il ne faut pas dire combattre et ni dire tuer. Parce qu'en fait, il est là de toute façon. C'est notre mental, c'est notre conscient. On ne va pas pouvoir le retirer, mais il va falloir le dompter. C'est comme si vous allez me dire, mais ma mère est très méchante ou très radine. Comment je fais? Ben, vous n'allez pas l'éliminer, mais vous allez composer avec. Je ne vais pas dire supporter, je ne vais pas dire tolérer, je vais dire composer avec. Et en fait, plus vous allez travailler sur votre ego, et plus vous allez être malléable, vraiment malléable, c'est vraiment comme une balle, un chewing-gum, et plus vous serez malléable, et plus bah, vous pourrez soutenir bah, l'ego des autres, en fait. En fait, plus vous serez flexible, et moins l'ego des autres vous dérangera. Donc oui, il ne faut pas le combattre, parce que ce n'est pas une guerre, mais c'est une maîtrise. Au final, c'est quoi? C'est de la discipline, hein. Je vous avais montré le bouquin qui coupe là. Je vous avais montré le bouquin qui résumait vraiment tout. Et pour faire hommage à Monsieur Haddad, discipline equals freedom. Mais en fait, si vous voulez retrouver votre liberté d'action, créer votre projet, monter votre entreprise, il faut que vous retrouviez votre liberté d'action. Et pour retrouver votre liberté d'action, il va falloir avoir un peu de discipline. Et qui dit discipline, ben, c'est un petit peu, voilà, je le montre aussi ici. Qui dit discipline, m'a dit un peu de travail de son mental. Je parle pas de sport parce que je suis mal placée, mais un peu de. Voilà. Je n'ai pas le droit de parler de sport. On ne parle que de ce qu'on fait, monsieur Rossi. Excellent, super. Très bien. Bah, écoute, là, je vois, y a plus de questions. Je crois qu'on arrive à terme de notre session. Il est déjà 23h20. J'imagine combien en Belgique, quelle heure est-il? Deux? Une Non. heure et demie chez nous. Une heure Une heure et et demie, demie. ouais. Rien que ça, 1 heure et demie. On est devenu des Excellent. night Ben, comme d'habitude, c'était une excellente fever, session. Pardon? monsieur Rossi. C'est magnifique. Je dis, c'est magnifique parce qu'on a de plus en plus de monde et ça fait plaisir parce que les gens prennent conscience. En fait, pour moi, le fait qu'il y ait autant de monde, ça veut dire que les gens ont pris conscience qu'il y a autre chose à travailler que la carte visite et le site internet, quoi. Absolument, absolument. Et ce qui est magnifique, c'est que aussi les participations des personnes, ce qui veut dire ils posent les questions, ils s'ouvrent aussi, c'est un courage pour poser les questions, pour participer. Et pour cette raison-là, on les remercie. On les remercie d'être présents avec nous sur Zoom ou sur Facebook ou les vôtres sur Instagram. Et toi-même, d'animer ces excellents séminaires. Vraiment, on en Merci à profite vous. énormément. Merci à vous, monsieur Rossi. Ben, je le Bon, répète, je ne pourrais pas le faire sans vous et je n'aurais pas tenu peut-être ce rythme-là, en tout cas cette qualité de suivi, ben, grâce à vous, grâce aux questions et tout ça. Donc ça, c'est vraiment très professionnel de votre part. Et ben, c'est un soutien, voilà. Comme ça, je ne suis pas toute seule à tout gérer. Et donc, ce que je voulais peut-être dire pour finir, c'est que je défends tous ces thèmes en vous disant vraiment que c'est la base. Vraiment la base, c'est les fondations de la réussite et de la gestion de crise. Si vous travaillez sur vos peurs, vos intentions, votre réseau, votre ego, il y a moyen de pouvoir supporter ce qui va arriver à la sortie de la crise. Parce que je répète, ben, on ne sait pas ce qui va nous arriver.
Ouais. Mais de toute façon, comment dire, je précise une chose, c'est que les personnes qui ont d'autres questions, ils peuvent te contacter sur Instagram et sur ta Facebook, c'est ça? Oui, merci. Je vais reprendre le conseil de Zacharia que j'ai oublié. Donc, ceux qui veulent me suivre, en fait, posez d'autres questions. Donc, vous pouvez me suivre sur la page professionnelle Soraya Arlit, qui est du même nom. D'accord? Donc, je prends en fait la vidéo du club des dirigeants et je la mets sur ma page. J'essaierai de répondre aux questions qu'il y a sur le club des dirigeants. Au fur et à mesure, j'y reviendrai, même si ça prend du temps, j'y reviendrai, je prendrai le temps de répondre. Sinon, mon Instagram, c'est vraiment mon bureau virtuel. Donc, n'hésitez pas à venir poser vos questions sur l'Instagram en privé. Et moi, j'en profiterai pour en faire soit des lives, soit des petites capsules de 10 minutes. Et vous avez votre réponse personnelle en format vidéo. Et c'est vraiment vos questions qui vont vous permettre d'avancer. Vous avez beau passer 10 jours en Malaisie dans un séminaire de formation. Si vous ne répondez pas à vos questions et que vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous n'avancerez jamais en fait. Ça va être toujours de l'information. On ne passera jamais au stade de l'évolution. Oui, absolument. Poser les questions, Merci, Michel. c'est faire le premier pas pour chercher les réponses, quoi. C'est le premier C'est pas. accepter déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Excellent, super. Bah écoute, il est temps de se dire au revoir. Souvent, il est difficile de se séparer là. Hein? On veut dire au revoir, mais il y a des jours, on ajoute quelque On va chose. devenir accro. Comme Madame Souad a dit, vraiment, on est en train de passer un mois de Ramadan très agréable et je vous remercie vraiment. J'avais peur de passer toute seule cette année, mais voilà, quelle belle Voilà, surprise. absolument pas, absolument pas. Excellent. Bah, écoute, je vous dis bonne soirée et bon appétit. Merci, merci monsieur Rossi. Oui, à vendredi soir pour l'épisode 6. Inch'Allah. Allez, bonne soirée. Au Merci revoir. Madame Souad, monsieur Haddad. Merci à tous. Bonne soirée et bonne nuit. Allez, au Bonne soirée revoir. Casa, au revoir Agadir, au revoir Fès.